Bah déjà, ça commence bien. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, je sais que c'est la digestion, qu'il est 13h, que vous avez tous envie de dormir. Je vais essayer de réveiller la salle un petit peu parce que c'est Devox quand même, ça fait 2 ans qu'on l'attend et 2021, 10e anniversaire de Devox, donc faut vraiment y aller. Bonjour. Ouais, je vais faire chauffeur de salle comme futur métier. Bienvenue à tous, merci d'être venus aussi nombreux, je ne pensais pas qu'on allait avoir beaucoup de monde. Autant de monde que ça. Du coup, pour être sûr que vous n'êtes pas trompé de salle, on va vous parler un petit peu des différences qu'on peut avoir entre les trois différents clouds publics américains. Je précise, hein, on ne va pas parler de cloud privé, on ne va pas parler de cloud européen ou autre, même chinois. On va essayer de vous parler d'AWS, Azure et GCP. Donc moi, celui qui parle beaucoup, c'est Laurent Grangeau. Je suis Solution Architect, je verrai juste après. Et ben moi, je suis Olivier Dupré, et je suis aussi solution architecte. Et on a la grande personne ici qui est un peu timide, mais qu'on va présenter. Tony Jarriot, je suis également solution architecte. Voilà. On a un joli slide de présentation ouais. Comme ça, de nos têtes. Vous n'oublierez pas. Exactement. Donc moi et Tony, on travaille aujourd'hui chez Sogeti, donc le filiale du groupe Capgemini. Je sais ce que ça va avoir comme réaction, mais on recrute, évidemment. Merci. Et moi, je travaille chez Energisme, et on recrute aussi. Mais voilà. Non, nous, on est un éditeur de solutions. Et est-ce que j'ai besoin de présenter Cap? Oui. Oui. Merci, Alex. Non, mais vraiment, on recrute sur des enjeux de cloud, évidemment, hein, sinon on ne serait pas là. Et vous avez nos Twitter qui sont juste avant. Si vous voulez tweeter les hashtags @LaurentGrangeau, @JarioTony et @OlivierDupréTech, parce qu'il ne fait jamais les choses comme tout le monde. Ben non. Y a un slide qui a disparu? Non, c'est après. C'est après? Voilà, déjà on explique pourquoi on va parler de ces trois-là. Ah, d'accord. Tony, tu veux l'inverse? Vas-y. Non, mais okay. Vas-y, Tony. Pourquoi on va parler de ces trois-là? Tout simplement parce qu'ils font partie des trois challengers sur le marché qui représentent 61% de parts de marché. Historiquement, Amazon a dû développer de nouveaux services pour ses applications de retail. Et donc, ils ont développé des services que vous connaissez peut-être, type S3, SQS ou de C2. Et de là, ils se sont dit, mais pourquoi pas exposer ces services au plus grand nombre? Et donc, de là, ils ont créé le AWS en 2006. Suivi de près par Azure. Alors, l'avantage d'Azure, c'est que Microsoft est présent dans la plupart des entreprises, que ce soit au travers de leurs services d'Active Directory, des services SQL ou tout simplement Windows. Et ce qui a facilité l'adoption d'Azure par leurs clients. Et donc, ils ont sorti leur premier service en 2010 au travers de Azure SQL. Plus récemment, même si ça fait déjà une dizaine d'années, en 2008, GCP a sorti son offre cloud basée principalement sur la containerisation et sur la gestion de la data. Gestion de la data au travers de GKE pour la partie containerisation, lequel est basé sur Borg. C'est le système sur lequel qu'utilise Google pour ses moteurs de recherche et ses applications. Ici, on ne va pas vous donner d'ordre de décision pendant ce talk pour quel cloudeur choisir pour déployer vos applications. Si toutefois on devait réaliser ou vous deviez réaliser ce travail, il faudrait, en fonction de vos règles d'entreprise et avoir poussé l'analyse de chacun des services pour comprendre quelles sont exactement les contraintes précises de chacun des services pour choisir le bon cloudeur par rapport à un bon use case. Typiquement, si vous voulez choisir une solution de backup sur AWS pour vos bases de données, peut-être que vous allez choisir tout simplement le service standard qui est fourni par AWS, qui est RDS Backup, ou une solution type AWS Backup, qui est un autre service réalisant de la sauvegarde de data, ou éventuellement, pourquoi pas, tout simplement un développement spécifique, ou une solution tiers qui pourrait réaliser ce job. Du coup, juste, je vais préciser un petit peu aussi, si on ne peut pas être exhaustif sur le cloud, on en discutait encore hier soir avec Tony,
Tu m'arrêtes si je dis bêtises, mais je crois que c'est AWS qui a sorti 50 nouveaux services l'année dernière. Je parle pas de features, mais vraiment que de services. Regarder exhaustivement tous les services, c'est un peu beaucoup compliqué. Et généralement, c'est ce qu'on verra tout au long de ce talk, le diable se cache dans les détails. Oui, tout le monde fait des VM, oui, tout le monde fait du container, mais on se rend compte que chacun le fait différemment, et surtout chacun a des niveaux différents de SLA, etc., par exemple. De services, de manière générale. Exactement, oui. Donc évidemment, vous n'allez pas sortir de là en disant bon, « Ok, j'ai compris, la VM, c'est AWS, c'est comme ci, comme ça, les architectures web, c'est comme ça, etc. » C'est vraiment plutôt d'avoir une espèce d'overview, de dire « Ok, quelles sont les différences, on va dire, majeures de différents clouders ?» Et pour vous aider à choisir, évidemment. Mais typiquement, si on a oublié, par exemple, que Azure Active Directory permet d'avoir des applications qui sont beaucoup plus sécurisées parce qu'il y a du OAuth 2 alors que qui n'est pas supporté par le SAML d'AWS ou quoi que ce soit, c'est pas ce niveau de détail-là. Ouais, une petite parenthèse. Cette trame représentant les cloud services, les cloud services sera notre fil rouge aujourd'hui pour présenter les différents labs que l'on va pouvoir dérouler. Sur lesquels on va pouvoir présenter, en tout cas travailler sur des services qui sont du moins managés au plus managés. Donc sur la gauche, on va retrouver les services qui sont les moins managés, mais sur lesquels on maîtrise les coûts d'infrastructure, parce que ça veut dire qu'on est en charge du déploiement de ces infras. Donc on va parler de VM ou d'instances de compute. Avec sur la droite, les services que l'on va déléguer au cloudeur. Donc plus c'est vers la droite, plus c'est le cloudeur qui est en charge de délivrer ces services sur lesquels on va pouvoir déployer toute ou partie de nos applications. Donc, du moins managé au plus managé, on va retrouver le IaaS, le CaaS, le PaaS et le FaaS. Le IaaS, tout simplement, c'est la couche d'infrastructure sur laquelle on va déployer nos computes, les VM, principalement, en tout cas principalement connus sur AWS, on va retrouver le EC2, sur Azure, ça va être l'Azure VM ou sur Google Compute. Ensuite, on va retrouver des services de type CaaS, permettant la gestion d'applications en mode microservice et pour lesquels tous les cloudeurs offrent énormément de solutions permettant d'héberger les conteneurs de nos applications. Donc au travers d'Azure Container, Cloud Run sur GCP et Fargate par exemple sur AWS. En mode service pass, donc plus on monte dans cette couche, le service est managé par le cloudeur. Il permet de gérer l'autoscaling ou la mise à l'échelle de l'infrastructure. Donc typiquement sur Azure, on va retrouver Azure as Service, App Engine GCP ou Elastic Beanstalk, pardon, sur AWS. J'ai une bêtise. J'avais dit que je te le dirais en pleine session. On dit Engine. Merci Laurent. De rien. Et pour terminer, les services FaaS. Donc les services FaaS, on va se retrouver plus sur une logique métier, donc c'est un traitement qu'on va pouvoir exécuter, donc sur lequel on n'a pas besoin de se soucier de l'infrastructure, le cloudeur met à l'échelle l'infrastructure pour pouvoir exécuter nos workloads. Vous connaissiez ce genre de schéma ou pas, pour ceux qui sont ici? D'accord. Alors on va commencer justement par les couches les plus basses, hein, la partie qui était à gauche tout à l'heure de votre écran, et la partie donc IaaS, infrastructure as a service, c'est on va dire la base des clouders, ils ont commencé majoritairement par ça, et c'est le point d'entrée, c'est le pendant chez les clouders de ce qu'on faisait historiquement avec du vCenter et des choses comme ça, la gestion de VM chez soi. Alors, quelles sont les règles et les critères qu'il va falloir un peu prendre en compte quand on veut aller justement sur le cloud et qui vont nous permettre de choisir si on veut faire du IaaS, si on veut commencer bas niveau, on va dire. Déjà, la première règle, ça va être de faire attention aux règles, tout simplement, aux règles et aux lois, Fear the Rules. Tout ce qui est GDPR, Patriot Act, Cloud Act, on est en train de parler de trois clouders américains, donc Patriot Act, Cloud Act, on n'y coupe pas, on va forcément les avoir. Et GDPR, selon où c'est qu'on va stocker notre donnée, on peut être assujetti à la GDPR ou pas. Et donc selon la donnée qu'on est en train de manipuler, si on est en train de manipuler de la donnée de clients qui sont européens, etc., ils peuvent avoir un droit à la GDPR et donc avoir une nécessité de se placer dans un contexte GDPR. D'où la nécessité de bien choisir notre emplacement et où c'est qu'on va aller se placer.
Et là, là-dessus, donc alors je parle GDPR parce qu'on est ici en Europe, hein, mais si on était en Afrique par exemple, on peut être soumis à d'autres réglementations locales. Et c'est là où on va tomber sur des providers comme Google, GCP, qui n'a pas de data center en Afrique. Donc c'est là où il va falloir se poser la question, est-ce que mon data center, il respecte, est-ce que mon provider, il respecte les réglementations locales ? Donc c'est première règle de base, est-ce que je vais respecter la loi, est-ce que je vais pouvoir déployer sur ce clouder en respectant la loi ? Après, au-delà de l'aspect légal, ça va être l'aspect rapidité d'accès, tout simplement. Vous vous en doutez, aller taper sur un cloud qui est aux US, il faut traverser l'Atlantique, c'est un peu plus long que si on va taper à Paris ou à Marseille. Et bah, typiquement, AWS et Azure, ils sont présents à Paris et à Marseille. Google, non. Donc Google, si on veut y accéder, on va forcément aller déjà en Belgique. Le plus proche qui est ici. Et pareil, quand on est, on a fait du Google, c'était en Finlande. En Finlande, ils ne sont pas présents non plus en Finlande, donc il faut mettre en place un MPS pour aller taper sur les nœuds voisins au niveau de la Norvège, ce qui rajoute un petit peu de latence et ce qui complexifie la chose. Ce que je rajouterais même, c'est qu'on avait des problématiques de... En fait, on intervenait pour un client qui faisait de l'assurance, entre guillemets, de la capitalisation par assurance, et il disait, malgré le fait qu'on ait des data centers en Finlande, on passe par un POP qui est situé en dehors de Finlande, et potentiellement ça peut poser problème si l'accès est coupé, ça veut dire que nos clients, et donc des clients qui étaient du gouvernement, n'ont plus leur fonds de pension en fin de mois, et du coup ça pose des problèmes, donc il faut bien réfléchir aussi, c'est la première étape. Exactement. Donc une fois qu'on s'est posé ces questions-là de proximité, donc de facilité, de rapidité d'accès et de réglementation tout simplement, on va se poser des questions un peu plus techniques, puisqu'on est dans le IaaS, on est vraiment bas niveau. Quelles sont les capacités qui sont fournies par mon cloud provider ? Là-dessus, ça va être assez simple. Aucun des trois se distingue très franchement des deux autres. D'accord ? On a tout à votre gauche là. Tout à gauche, on a les CPU. Bon, CPU, vous connaissez tous, hein, classique. Ils ont tous la même offre, même si on va avoir du Amazon qui travaille avec Intel en direct pour avoir ses propres CPU, etc. Globalement, l'offre, elle se vaut pour tout le monde. C'est pas forcément eux qui vont être un différenciant. On va partir sur des niveaux un petit peu plus élevés ou un peu plus techniques. Comme le GPU, un peu plus spécialisé. Les GPU, là aussi, on va trouver du GPU chez tous les clouders. Ils font pas une grosse différence. Et quand on arrive sur les deux derniers niveaux, les FPGA et les ASICs, donc les FPGA qui sont des CPU programmables, et les ASICs qui sont des CPU déjà programmés, donc pas reprogrammables, mais qui ne font qu'une seule tâche, c'est là où on va pouvoir trouver des vraies différences. Et puisqu'on a le plus célèbre, je pense, en termes d'ASICS, qui va parler à tous ceux qui font du traitement de données, hein, notamment du machine learning et notamment des traitements TensorFlow. Google qui a sorti le TPU depuis très longtemps, qui est donc un ASICS spécialisé exclusivement pour faire du TensorFlow. Il le fait bien, il le fait vite, beaucoup plus vite que tous les autres. Et donc si vous voulez faire du TensorFlow, Google a quand même une longueur d'avance là-dessus avec un processeur qui est dédié à ça. D'accord ? Là où un AWS... Je cherche à combler le trou là-dessus en étant arrivé avec Inferentia, ils sont arrivés beaucoup plus tard, mais ils sont arrivés et ils font aussi du TensorFlow sur ces processeurs-là. Pardon. Et en comparaison, les ASICs chez Azure, on trouve uniquement le Corsica qui est disponible et qui lui est dédié à de la compression de données et à du chiffrement. Donc ça fait des compressions et chiffrements à coût zéro, hein, en termes d'impact de workload. Mais par contre, c'est le seul ASICS qu'ils aient aujourd'hui. Donc ils n'ont pas d'ASICS dédié, par exemple, pour du TensorFlow. Okay. Donc là, c'est pareil, dans votre choix, est-ce que ça a un impact fort ou pas pour vous dans le choix de votre clouder ? C'est à mettre en vis-à-vis des autres traitements que vous allez faire et des autres potentiels défauts qu'il peut y avoir sur le clouder et qui vont vous impacter. À voir quel est le défaut ou quels sont les avantages qui prennent le pas. On continue toujours dans le IaaS avec les couches réseau maintenant. On s'élève un petit peu au-dessus de la machine et on va faire communiquer les machines entre elles. AWS, GCP, globalement, même approche. On est à peu près sur les mêmes logiques. Avec un AWS qui est de manière un peu plus granulaire, une approche un peu plus granulaire, et GCP, une approche plus globale. Donc les deux vont vous permettre de faire des VPC, donc des réseaux virtuels. Et vous allez pouvoir mettre de la communication d'un réseau vers l'autre. C'est du point à point à chaque fois. Donc si vous en avez trois à faire communiquer entre eux, il faut faire du premier vers le deuxième, du premier vers le troisième et du deuxième vers le troisième. Donc ça vous fait pas mal de configurations à faire.
avec quelques subtilités sur le fait que GCP il est global, donc le VPC peut être mondial, et réparti sur toute la planète, sur l'ensemble de ses data centers, là où AWS va être uniquement du régional. Donc on va avoir un VPC à Paris, on va en avoir un autre à Bruxelles, un autre en Irlande, etc. D'accord. Et en face, Azure a eu une approche beaucoup plus globalisée en termes de travail. On va voir, c'est une notion qui revient beaucoup avec Azure sur la notion d'intégration, quelque chose de beaucoup plus globalisé. Avec, ils ont aussi leur approche VPC, si on veut, qui sont les VNet dans le langage Azure. Mais ils apportent surtout deux choses. Premièrement, le hub and spoke, qui permet d'avoir un hub en fait, donc transitif. Tout le monde communique avec lui et lui-même redispatche sur les autres. Donc ça évite de faire une communication en étoile. Hein. On a un seul point central, enfin une communication, pardon, en je sais pas quoi, une communication en full mesh. Ouais, en full mesh, ouais, c'est ça. Ouais. Et l'autre option justement, c'est le full mesh, la topologie full mesh, qui elle arrive par défaut dans Azure. Vous pouvez l'implémenter simplement par Azure et lui-même, vous lui dites, je veux que mon réseau soit full mesh et l'ensemble de mes VNet vont se parler nativement entre eux. Donc je peux ouvrir nativement la communication sans avoir à l'établir VNet par VNet. Donc c'est un point de communication réseau qui facilite énormément si vous avez beaucoup de workloads que vous voulez séparer dans des réseaux différents. Là-dessus, Azure a une vraie longueur d'avance et va vous permettre de déployer ça beaucoup plus rapidement et beaucoup plus pratiquement. D'ailleurs, Azure, c'est le seul à proposer aujourd'hui, en termes de réseau, ce qu'on appelle le daisy chain. Donc ça veut dire l'enchaînement de VPC, de faire passer d'avoir un VPC en fait, qui fait passe-plat de paquets. Si vous avez un VPC A, VPC B, VPC C, le VPC A pourra appeler au VPC C par le VPC B. C'est le seul à le faire, en fait. C'est ça. Si vous allez sur Azure, sur AWS ou sur GCP, on aura des topologies différentes. Et ça, c'est vraiment la première couche que vous devez mettre en place quand vous mettez du cloud. Nous, on a accompagné énormément de clients. On a mis en place des landing zones. Donc vraiment, c'est plus que du réseau, mais des premières briques. Et c'était de dire, OK, comment je vais faire pour que non seulement mon data center parle avec le cloud, mais que mes applications puissent parler entre elles dans le cloud. Exactement. Donc ça a un vrai impact sur vos choix d'architecture et votre design de landing zone. Ouais. Toujours dans les choix d'architecture ou les impacts par rapport aux clouders qu'on va pouvoir identifier, on va retrouver la QAS et la availability. Globalement, on peut voir qu'en termes de pourcentage d'availability, tous les clouders se retrouvent à peu près. La différence à noter sera principalement sur les SLA, sur la disponibilité des VM. Là où on va retrouver sur Azure, sur GCP, un engagement à 99%, Azure et AWS, on est un peu en deçà. Donc pour pallier à ça, on va mettre en place de la résilience de nos applications. Donc au travers de la gestion des multi-AZ, on va pouvoir répartir le trafic sur l'ensemble des AZ sur lesquels l'application est déployée dans une région, et éventuellement pouvoir songer à travailler sur plusieurs régions, permettant qu'en cas d'indisponibilité d'une première région, on puisse, le trafic puisse basculer sur une autre région, tout en optimisant la disponibilité de nos applications. Ça parle à tout le monde, la notion d'AZ ou pas? Non. Alors, pour l'expliquer en deux mots. Alors, en deux mots, chaque cloudeur met à disposition des régions. Dans un pays, on va retrouver à minima une région. Et dans cette région, on va retrouver au moins trois data centers. Trois AZ. Enfin, deux AZ. Trois AZ. Donc, c'est AZ de façon très, très schématique. On peut dire qu'une AZ est un data center. Donc, ça veut dire que si un data center tombe, encore une fois, de façon très schématisée, si un data center tombe, c'est-à-dire que le trafic pourra basculer en fonction de l'architecture que l'on a prévue, basculer sur les autres data centers, donc les autres AZ, sur lesquels on a configuré nos applications. Chaque AZ aussi est indépendante en termes de power, enfin d'électricité qui arrive, en termes de réseau qui arrive, donc Equinix, Interaction, etc., et en termes de clim, pour s'assurer que s'il y a un problème sur une AZ, on est sûr que la deuxième continue à fonctionner. C'est pour ça que sur Azure, particulièrement, vous avez deux notions de région, France centrale, Paris, et France South, qui est Marseille. C'est deux AZ, en fait. Comme ça, on est sûr que s'il se passe quelque chose à Paris ou à Marseille, l'autre continue à fonctionner. Et ça va être important quand vous allez définir déjà le choix du cloud, mais aussi l'architecture. Vous allez mettre en place des architectures qui sont au dispo distribuées grâce aux AZ. Exactement.
Donc sur les SLA, on pourrait les communiquer à l'issue du meeting. Ça peut être vite très compliqué à analyser les SLA, notamment sur Azure, Laurent, ce qu'on a vu hier soir. Ça peut vite être très très compliqué. Donc on vous communiquera les liens en tout cas des différents clouders permettant de vous afficher les SLA. Juste pour information sur les SLA justement, c'est que très récent où on a des SLA sur les VM. Pendant énormément de temps, AWS n'avait aucun SLA sur les VM. Ils avaient un SLA sur une AZ, d'accord, ils s'assuraient que l'AZ était up and dispo 99.5, un minima. Et c'est que très récemment, hier soir, qu'on a re-regardé, revérifié, on a vu des SLA sur les VM. Ça veut dire qu'ils s'assurent que la VM, voilà, garantissent que la VM fonctionne toujours. Et Tony en parlait tout de suite là sur Azure. Dépendant de savoir si c'est du HDD, du SSD premium, du SSD standard, etc., on n'a pas les mêmes niveaux de SLA. On passe de 99.5 à 99.99. Et je vous rappelle, les SLA, c'est un contrat que vous passez entre le cloud provider et vous-même. Et le cloud provider vous rembourse que l'indisponibilité. Ça, c'était le slide d'après. Je sais, c'est pour ça que je ne m'étends pas dessus. Je te laisse en parler. Pour continuer sur la fault tolérance, on a la possibilité au travers d'AWS et de GCP de définir des instances groupes. Ces instances groupes, c'est la capacité, si une machine tombe dans une AZ, donc c'est la petite bulle qu'on a vue tout à l'heure qui peut être représentée par un data center, si ce service tombe, le cloudeur va redémarrer ou réaliser un autoscaling de l'infrastructure, donc la mise à l'échelle, au travers de cette instance groupe, qui est limitée à une AZ. Le gros plus d'Azure, c'est qu'on peut réaliser des instances groupes au travers d'un availability set qui permet de gérer cette répartition de trafic, non plus sur une AZ, mais sur l'ensemble d'une région. Donc ça, c'est le gros plus sur la disponibilité de la partie compute sur Azure. Donc c'est l'availability set sur lequel on va répartir la disponibilité du service sur l'ensemble d'une région. Gros point important. Une fois de plus, hein, c'est Azure le propose en natif, donc ça se fait tout seul avec Azure du moment que vous mettez vos ressources dans un availability set, là où sur AWS et GCP, vous pouvez faire la même, mais c'est à faire à la main. C'est à vous de le faire, enfin à la main, on y est assez, on va le coder, mais c'est à vous de le mettre en place, c'est à vous de le mettre en œuvre quand vous voulez la réplication entre les différentes AZ d'une même région. Donc c'est plus de charges, plus de boulot pour vous, là où un Azure va vous le fournir nativement. Alors, vu que Laurent a spoilé, les rames dans mes petits slides. Effectivement, pour rappel, lorsque notre cloudeur va s'engager, ou les cloudeurs qu'on a choisi vont s'engager sur les disponibilités de service, si indisponibilité il y a, il va vous rembourser éventuellement la perte sur le coût du service, mais en aucun cas la perte sur le chiffre d'affaires que vous auriez perdu en cas d'indisponibilité de l'application. Parfois, ça, c'est pas mal de le rappeler. On a eu un petit cloudeur français qui a eu une mauvaise expérience il y a peut-être un an. Et on a eu pas mal de gens qui se plaignaient sur Twitter. Parce que justement, comme beaucoup de personnes, ils pensaient que le cloud, c'était automagique. En mode, j'ai pris un service, c'est bon, tout fonctionne. Et en fait, non, il faut bien, même chez les cloudeurs français, il faut bien voir, il faut bien lire les CGU. Et c'est bien marqué qu'ils ne garantissent pas la disponibilité de vos applications. Ça veut dire que, je troll un petit peu sur ce cloud français, mais AWS, Azure et GCP vont vous rembourser le prix du service. Si vous perdez 1 million de chiffre d'affaires à cause de ça, c'est pas eux qui vont rembourser votre million de chiffre d'affaires. Donc après, c'est à vous de décider aussi quel est le bénéfice par rapport à ce que vous dépensez. Est-ce que mon service est tellement risqué que je perds de l'argent et du coup ça vaut le coup de mettre une haute dispo en place, fault tolerant, etc. Ou alors c'est un petit site web du comité d'entreprise par exemple et de la haute dispo, j'en ai pas forcément besoin. Donc effectivement, c'est bien l'architecte solution lorsqu'on va définir les infrastructures pour notre application avec les contraintes des équipes business liées à l'application qu'on va pouvoir définir. Donc cette architecture, bien entendu, plus on va s'approcher du 100%, ce qui est impossible, ce qui est techniquement impossible à peu près, plus l'infrastructure va coûter très cher. Forcément, on va remettre très très cher. Donc,
peut-être être raisonnable, en tout cas dans le SLA défini par rapport aux attentes de nos clients. Et peut-être qu'ils accepteront une disponibilité de 5 minutes tous les mois, VS une architecture à 100% qui vous coûterait cet effort, ce petit effort, vous coûterait extrêmement cher. Et c'est pareil sur tout ce qui est RTO et RPO. Ça, c'est plutôt au niveau de la donnée. Donc RTO, c'est Recovery Time Objective, et RPO, c'est Recovery Point Objective. Donc Recovery Time, c'est combien de temps je me donne pour rétablir mon service. 5 minutes, 1 heure, 4 heures, mon service doit être disponible tout le temps. Et RPO, c'est le Recovery Point Objective, c'est le nombre de données que je m'autorise à perdre depuis mon dernier backup. Il y a beaucoup de clients qui me disent, enfin qui nous disent en tout cas, RTO, RPO à zéro, ça veut dire que pas de perte de disponibilité, pas de perte de données. On leur dit très clairement que c'est possible, mais ça coûte extrêmement cher. Et on est plutôt dans le raisonnable en disant, autorisez-vous à ne pas être dispo pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et à perdre, je sais pas moi, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure de sauvegarde. Mettre en place un RTO et un RPO à zéro. Vous allez me dire, on-prem, c'est ultra simple, j'ai des solutions qui le font, auto-redondées, backupées, machin, etc. On est dans le cloud, on ne peut pas déplacer des VM comme on déplace des VM on-prem. Donc il faut vraiment penser la solution applicative comme résistante aux pannes, au changement. C'est pour ça qu'on distingue, nous, haute dispo et tolérance aux pannes. Haute dispo, c'est un actif actif ou un actif passif sur deux zones et on a le temps de basculement entre les deux. Et un fault tolerant, c'est plutôt dans l'ordre du microservice, où on a à n'importe quel moment tous les microservices qui se parlent entre eux, et là on est beaucoup plus résistant par rapport à la panne. Donc déjà, je vais un petit peu spoiler, mais déjà on parle vraiment que de l'infrastructure, mais déjà on attaque la partie architecture applicative, où vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va monter sur les couches, on va avoir de plus en plus d'impact sur l'architecture de l'application, et la façon dont on a de la mettre en place. Alors, tu disais, je rebondis là-dessus, hein, tu disais que c'est beaucoup plus facile on-prem. Il faut souvent désidéaliser notre data center et notre on-prem. On se dit souvent, ah, c'est bon, j'ai deux disques durs, j'ai mis du RAID 0 plus 1, ou j'en ai 5, j'ai mis du RAID 5. Youpi, c'est bon, je ne perdrai jamais mes données. Et si la salle brûle, bah, tu as tout perdu, fin de l'histoire. Oui, mais j'ai fait un backup sur des bandes que j'externalise. Oui, et tes backups, tes bandes, elles sortent tous les combien? Et c'est là où on serait en réfléchissant et qu'on regarde vraiment déjà quelle est la garantie de service de mes disques durs et mes backups sur mes bandes, je les fais tous les combien et comment je peux vraiment garantir que mon RTO ou mon RPO, ils sont à zéro. Et sur un data center, c'est très compliqué, là où on a finalement beaucoup plus de transparence avec les engagements que fournissent les clouders, où on dit, moi je garantis 11.9 de durabilité sur les données avec un S3 par exemple. Donc 11.9, ça veut dire que tu peux perdre un fichier sur 1 million tous les 10 millions d'années ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est ma durabilité et là eux ils le garantissent quoi derrière. Ça veut pas dire qu'il faut pas le backuper, ça veut pas dire qu'il faut pas le redonder en se disant ben ce fichier là sur 1 million d'années peut-être que c'est demain le 1 million d'années et donc je pourrais peut-être le perdre et si cette donnée là elle est totalement critique ça vaut le coup de le répliquer. Là où on se pose moins la question quand on est en local sur du on-prem parce qu'on se dit ben c'est bon j'ai 3 disques durs et j'ai 2 sauvegardes à côté je perdrai pas. Finalement ils ont juste la même chose mais décuplée. Et pour garantir ce niveau de service-là. Quoi. C'est du même principe sur la connexion réseau. Lorsqu'on va mettre en place une connexion VPN ou LS entre nos data centers et éventuellement l'entreprise, si on n'a mis qu'une seule LS et que malheureusement, ça c'est un cas concret que j'ai pu vivre, si la pelleteuse vient à passer là où est le câble, tout s'arrête alors que tout était prévu. Mais malheureusement, il y avait 2 fils, mais dans le même brin, enfin dans le même tuyau. Dommage. Donc c'est exactement le même cas. Le IaaS. Pour l'IaaS, on peut également prévoir l'arrêt de certains services. Tous les cloders ont offert, en tout cas ont mis à disposition récemment ce type d'option. Ce sujet, en termes de retour d'expérience, on nous le demande de plus en plus souvent via nos clients, qui nous demandent comment optimiser ma facture dans le cloud. Donc on peut voir ce type d'option comme étant une approche, en tout cas un début, un quick win FinOps, que l'on peut implémenter facilement avec nos clients sur les infrastructures non productives. Typiquement, par exemple, la nuit, on va arrêter toutes nos infras non prod pour pouvoir économiser tous ces coûts de compute qui sont facturables à la seconde, voire à la minute, en fonction
du cloneur. Et avec ça, on peut gagner énormément, énormément sur le coût de la facturation. Ces services peuvent également s'étendre, non pas que sur le IaaS, mais également dans le cadre, par exemple, de AWS. On va pouvoir arrêter les instances de base de données, donc RDS, qui, le retour expérience, en tout cas, ça nous a permis, dans un use case récent, d'économiser bien 70% sur une facture, sur ces environnements non productifs, 70% de la facture. Ce qui n'est pas négligeable, donc. À utiliser, profitez-en, abusez-en. IAC Azure. Je prends le relais, c'est ça ? À toi, Joël. Allez, je prends le relais. Quand on fait du cloud aussi, on a plein de choses qu'on n'a pas on-prem. Je te laisse passer ? Ok, d'accord. Bon, y a plein de choses qu'on ne fait pas on-prem, comme de l'infrastructure as code. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, avec Terraform et VMware, j'arrive à le faire. Pas de souci. Il faut juste prévoir que quand on fait de l'infrastructure as code, c'est vraiment la première approche quand on fait du cloud qu'on va avoir, puisqu'on veut avoir, on veut avoir des environnements reproductibles. Et en cas de, tout à l'heure, on parlait de disaster recovery, donc panne de câble, panne de région, panne de ce que vous voulez, on va être contraint par le temps. Si par exemple on a un RTO de 15 minutes et on veut remonter une infrastructure complète en 15 minutes, c'est pas en cliquant sur les boutons ou en appelant les gens à 23h, 1h du matin que ça va se faire tout de suite. Donc on va faire de l'infrastructure as code. Le principe c'est quoi? C'est de dire je vais traiter mon infrastructure comme du code. Donc j'ai utilisé pour le cas d'Azure, donc Azure Resource Manager, qui est un fichier JSON pardon, que je vais stocker dans le Git et que je vais pouvoir rejouer n'importe quel moment, n'importe quand, pour pouvoir redéployer absolument toute mon infrastructure. Soit on parle uniquement de VM, donc VM, cluster Kubernetes, comme tout à l'heure, et base de données, etc. Soit complètement toute l'infrastructure d'une application qui est multi-ESI, multi-zone, backup, etc. Dans le cadre d'Azure, donc Azure offre nativement son principe de Azure ARM, Azure Resource Manager. Le principe, c'est que ça soit déclaratif. C'est-à-dire qu'on va éviter tout ce qui est script shell pour dire je vais créer mes infrastructures comme ça, si le script shell plante et qu'on le lance une deuxième fois, les templates d'infrastructures as code prennent en compte le fait que des infrastructures sont déjà créées et ne vont pas rejouer ces services-là. Avec Azure, on est capable aussi de définir des blueprints. Ça veut dire que, imaginez, vous êtes dans une cellule d'architecture où vous avez défini des templates de l'application, on est capable de définir des blueprints, c'est-à-dire, imaginez, ben voilà, je suis un hébergeur, donc je m'occupe de l'infrastructure d'une grosse société, et 90% de mes demandes, c'est du site web, architecture 3 tiers, front, middle, back, et j'ai besoin d'avoir des choses qui sont très rapides. Avec Azure Blueprints, on est capable de dire, tu cliques sur un bouton, tu as une architecture qui est standard à 80%, c'est à toi d'adapter derrière évidemment, mais en tout cas, on a déjà le socle. Azure commence à revenir un petit peu de Azure Resource Manager. Pour ceux qui ont déjà fait de l'ARM, c'est juste imbitable. On a des kilomètres de JSON avec des kilomètres de fichiers. Enfin, personnellement, moi, je ne suis pas trop fan. Et ils ont sorti il y a récemment, je crois que c'est l'année dernière ou cette année, je ne sais plus, Bicep, qui est en fait une syntaxe particulière par-dessus Azure ARM. C'est une syntaxe qui est beaucoup plus propre, qui se rapproche plus de ce qu'on peut faire sur un Terraform et qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de résistance, de reuse et de modularité par rapport à un Azure ARM. Comme c'est bâti sur Azure ARM, tout ce que supporte Azure ARM, évidemment, Bicep va le supporter et on peut commencer à le voir comme du Azure ARM 2.0. Évidemment, comme on est là pour comparer un petit peu les clouders, on va avoir côté AWS. AWS, ça va être la même chose. On va avoir l'infrastructure as code côté CloudFormation. C'est pareil, c'est des tartines et des kilomètres de YAML et de JSON. Et on est capable d'avoir des templates CloudFormation pour pouvoir déclarer, par exemple, ce qu'on veut comme infrastructure. Tout à l'heure, on vous fera une démo. Alors pour les démos, on a plein de démos qu'on va faire. Pour les démos, on a déjà créé des infrastructures parce que typiquement, créer un cluster Kubernetes sur AWS, ça prend énormément de temps.
Il faut savoir que sur l'outil qu'on utilise, donc c'est EKS-CTL, il se sert de CloudFormation pour pouvoir créer justement son cluster. Même principe, tout à l'heure on va parler de Beanstalk. Beanstalk se sert de CloudFormation pour pouvoir créer sa stack applicative. Donc aujourd'hui, CloudFormation, c'est quelque chose qui est entre guillemets très puissant, très costaud, très utilisé. Même principe, c'est des kilomètres et des kilomètres de JSON. Et si on fait moins qu'un point virgule dans un JSON ou dans un YAML, évidemment, ça va tout planter. Même principe, AWS commence à en venir et commence à aller vers des choses qui sont un peu plus, entre guillemets, code. Ils ont sorti donc, Cloud Development Kit, CDK, qui justement permet de taper du code pour pouvoir créer de l'infrastructure. Moi, c'est ce que j'appelle de l'infrastructure as code, as code. Bon. Évidemment, on utilise CloudFormation en dessous et on est capable d'avoir des objets très fortement typés en TypeScript, en Python, en Java, en .NET, en Go, pour pouvoir piloter l'infrastructure. Alors, un petit exemple, je ne sais pas si ça va passer, mais un petit exemple de ce que c'est CDK. Alors évidemment, vous ne voyez absolument rien, mais en gros, il fait un CDK init l'application, il va télécharger toutes les dépendances, là pour le coup, NPM. Il va modifier, je ne sais pas moi, quelque chose, créer un topic, voilà, vous le voyez, un constant topic, il y a new sns.topic, et ça va, c'est vraiment du code, donc ça c'est vraiment du code de Node.js, et vous voyez qu'on va s'assurer déjà au niveau de la compilation, et pas au niveau du runtime comme CloudFormation, qu'au niveau de la compilation, le code est propre, le code est syntaxiquement correct, et qu'on ne fait pas de bêtises. Donc c'est quelque chose de plus puissant pour moi qu'un simple CloudFormation, et on se rapproche vraiment de ce qu'on fait aujourd'hui de stack natif. Ah. On va parler du troisième, donc GCP. GCP a un produit qui s'appelle Cloud Deployment Manager, qui est pareil, qui est l'infrastructure as code GCP. Mes principes, YAML, comme la toute première version. Et par contre, on peut faire du templating Python et Jinja. Donc Jinja, c'est un moteur de templating qui va nous permettre de définir des stacks applicatives en Deployment Manager. On est à peu près comme les autres, hein, déclaratif, on utilise des schémas avec des paramètres et on peut gérer les ordres et les dépendances de chacune des stacks. Donc on est capable de déclarer, crée-moi d'abord la base de données SQL, puis ensuite les VM, parce que les VM dépendent de la base de données SQL, etc. etc. Ça ressemble à ça, du Cloud Deployment Manager, et on est vraiment proche de la syntaxe YAML pour le coup, qui est un poil plus compréhensible que le JSON. Donc là ici, typiquement, on est en train de créer une VM de type, je ne sais plus, avec un disque de type persistant boot et une interface réseau. F1 micro, ton type. Voilà, F1 micro, c'est dans l'espèce d'URL énorme. Exactement. Et on est capable de lui dire, ok, les deux lignes derrière, tu es relié à un NAT, donc un Network Address Translation, et tu peux sortir sur Internet, et donc tu peux avoir des changements là-dessus. Donc ça, ce sont les trois différents outils que proposent nativement les cloud providers. Évidemment, Deployment Manager, le YAML de Deployment Manager de GCP n'est pas applicable sur AWS. Évidemment, le CloudFormation n'est pas applicable sur Azure, etc. Et des gens bien se sont dit, et si on faisait quelque chose qui soit agnostique de tout cloud provider. Juste pour... Oui. Pour illustrer, hein, avant que tu passes sur Terraform justement, quand tout à l'heure Laurent vous disait c'est des kilomètres et des kilomètres de YAML pour déclarer quelque chose sur les trois langages là qu'on vient de voir. Par exemple, j'ai déployé un OpenShift en haute dispo sur de l'Azure, sur de l'AWS, c'est à peu près 10 000 lignes de CloudFormation, grosso modo. Hein. Donc OpenShift, c'est un Kubernetes managé par un Kubernetes packagé par Red Hat. 10 000 lignes, il faut se les manger. Quand il y a une erreur dedans, faut aimer aller chercher, quoi. Faut aimer fouiller. Donc, quand il dit que c'est long, ça peut être très très long. Là, on avait juste une VM. Quand on veut commencer à avoir des choses qui sont auto-scalables, etc., redonder, répliquer pour faire de la haute tolérance, on va vite tomber sur des choses très très longues et assez imbuvables. Exactement. Du coup, donc les gens bien qui s'appellent HashiCorp se sont dit on va créer
un espèce de langage, un DSL, en tout cas un HCL, pardon, qui est agnostique de tout cloud provider. C'est de manière déclarative, donc on a du HashiCorp Configuration Language, qui se rapproche quand même syntaxiquement, qui est proche du JSON, mais un petit peu différent, et qui fonctionne absolument avec tous les cloud providers. Aujourd'hui, on est capable d'aller sur les trois clouds américains, sur des clouds français, des clouds chinois, même du on-prem, et piloter un petit peu tout ce qu'on veut. Beaucoup de gens pensent que je prends du Terraform, le code Terraform, je le change quasiment pas, et je peux l'appliquer un petit peu n'importe où. C'est pas vrai, chaque provider a sa propre syntaxe. Typiquement sur un AWS, on va peut-être prendre le module AWS underscore instance, qui est pour créer des instances. Et sur Azure, on aurait peut-être un Azure GCP underscore VM pour créer des VM. Et GCP, même principe. Voilà. Donc du coup, on a tout le code à réécrire et même chacun des providers expose des variables ou des propriétés qui sont propres à chaque cloud provider, puisque chaque cloud provider est différent même dans l'implémentation. Et du coup, si vous pensez avoir du code qui est réutilisable de cloud provider en cloud provider, bah loupé. Mais en tout cas, Terraform, c'est très bien sur quand on fait du multi-cloud. Typiquement, si vous voulez faire, je sais pas moi, du front côté AWS et du back côté Azure, excusez-moi, vous pouvez très bien le faire automatiquement et Terraform va relier les deux parties ensemble, ouvrir les bonnes routes, etc. Il y a quatre commandes, hein, c'est init, plan, apply et destroy. En gros, on initialise notre Terraform, on l'applique, et enfin on le plane, pardon, ça veut dire qu'on va tester, fait un dry run. Hein. Ouais, voilà, exactement. On va tester un petit peu le déploiement. On l'applique et on le détruit. Donc ça, c'est le même principe. On est proche du YAML, du JSON, et on va voir qu'il y a d'autres outils qui commencent à sortir. L'énorme avantage, c'est que si vous voulez faire du on-prem et du cloud, ou si vous voulez être multi-cloud, vous n'avez quand même qu'un seul langage, qu'une seule syntaxe. Même si les providers sont différents, vous avez un provider pour chacun de vos fournisseurs, de vos clouders, vous avez quand même la même syntaxe, la même logique et la même structure de fichiers, alors que vous allez avoir des choses très différentes entre un ARM template, par exemple, et un CloudFormation. Donc ça rend aussi le travail des équipes, tout simplement, la montée en compétences beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Et pour maintenir la compétence, c'est quand même vachement plus facile. Ouais. Exactement. Faire une stack applicatif, c'est juste une commande Terraform apply, et je pilote tout mes cloud providers. Et juste pour compléter, également Terraform, vous allez pouvoir l'utiliser avec d'autres providers qui vont pas traiter non seulement de l'infrastructure, mais aussi peut-être par exemple du monitoring. Je pense par exemple à Datadog. Donc vous allez déployer votre infrastructure sur votre cloudeur, et pourquoi pas votre solution de monitoring qui est couplée en même temps avec vos ressources que vous déployez dans le cloud. Vous allez pousser le modèle Terraform pour aller mettre en place du monitoring, de l'alerting sur des solutions tiers. Yes. Du coup, à quoi ça ressemble du Terraform? Voilà la syntaxe. Donc vous voyez qu'on est proche du JSON, même si ce n'est pas du JSON. Donc on a notre provider Google en haut. On va déclarer une ressource qui est un service account. Donc on va créer un service account pour de la sécurité. On va créer un disque et ensuite on va créer une adresse privé et public. Là, c'est un bout de code qui a été vraiment simplifié pour que ça rentre sur le slide de création de serveur Minecraft. Et vous voyez que je peux absolument tout piloter. Par exemple, l'image du compute disk, c'est OS Cloud, et on est capable de modifier ça à chaud. Alors, ce qui est intéressant aussi avec l'infrastructure as code au niveau du cloud provider, c'est que ça, ce genre de fichiers-là, sont stockés dans Git, dans SVN, dans ce que vous voulez comme VCS, donc Control System. Et on est capable de rejouer autant de fois que vous voulez ce genre de déploiement. Ce qui veut dire que non seulement on a la répétabilité des environnements sur les cloud providers, donc on peut les détruire, et on revient au niveau du FinOps, on peut les détruire, on peut les recréer. Mais surtout, si demain, moi, quelqu'un vient me voir en disant « Est-ce que ça fonctionne sur Java 8, Java 11, Java 15 ?» J'ai entre guillemets juste à changer une ligne de code dans le fichier, tester le déploiement sur un nouveau déploiement, une nouvelle stack, voir si oui ou non ça fonctionne, et je m'économise du temps, parce que généralement dans les entreprises, on a des services d'infrastructure qui nous mettent peut-être une journée, une semaine, un mois, ça dépend de votre société, à créer des environnements qui correspondent à la cible, et on perd énormément de temps quand on fait du test. Un dernier langage que j'aime beaucoup, moi, c'est Pulumi.
Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est ce qui se rapproche aussi beaucoup de, on va dire, de l'infrastructure as code V2.0. C'est à la base, c'était un langage qui essayait d'être vraiment full agnostique du cloud provider. Malheureusement, qui n'a pas réussi parce que chaque cloud provider est vraiment trop différent dans son implémentation. Et même principe, on va coder l'infrastructure en TypeScript, en JavaScript, en Go, en F#, en C#, etc. Et on va avoir trois différentes commandes. Donc la création d'un nouveau code, le déploiement et la mise à jour du déploiement. Et à quoi ça correspond? C'est vraiment, là pour le coup, je vous ai mis un exemple de cluster Kubernetes en Node.js, en JavaScript. Et on est, la première ligne déclare effectivement le provider, donc New Kubernetes Provider, avec le kubeconfig et les dépendances. Et ensuite, je peux piloter complètement mon Kubernetes en disant création de namespace, création de déploiement, création de balancer, etc. Et ce genre de code-là, si je l'industrialise et je le mets dans une chaîne de CI/CD, on est capable de faire des choses magiques, comme par exemple, donc pas les infrastructures as code, je ne suis pas m'étendre dessus, mais il y a des choses qui commencent à sortir, comme du GitOps ou des choses comme ça. Donc on va vraiment piloter non seulement les infrastructures du cloud, mais en plus l'intérieur d'un cluster pour le reconfigurer. Et donc je trouve ça vraiment très, très, très puissant comme type de langage. On a parlé d'infrastructure. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu chacun des différents cloud providers, qu'on a une espèce de fil rouge. Alors pour moi, ça va être PetClinic. Donc c'est une petite application Java qui va nous permettre d'avoir une espèce de site web de gestion d'animaux dans une clinique vétérinaire. Donc c'est PetClinic. Et comme il n'y a pas trop de différence sur les différents cloud providers, je vous propose de démarrer une VM sur un cloud provider en particulier, on va dire AWS par exemple, parce que c'est les plus rapides. Et du coup, on va déployer PetClinic. Alors là, on vient de troller à moitié, mais il faut savoir que sur AWS, vraiment en termes d'infrastructure, on est sur quasiment les plus rapides. Je dis quasiment parce que ça dépend du temps. On démarre à peu près une VM en 20-30 secondes, ce qui est quand même assez rapide. Là où un Azure, bah, typiquement, on ne sait pas trop. Des fois c'est rapide, des fois c'est très très lent. On ne sait pas trop pourquoi. Du coup, on va passer à la partie démo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà la console AWS. D'accord ? Donc vous avez, quand on vous dit que chaque cloud provider a des tonnes et des tonnes de services, vous vous rendez bien compte qu'on ne va pas pouvoir comparer toute cette liste-là à la Prévert en faisant un deep dive et en disant, voilà, AWS c'est mieux sur EC2, GCP c'est mieux sur la data, etc., etc. C'est impossible, mais on peut essayer de vous sortir les différences majeures de chaque cloud provider et faire en sorte que dans le quotidien, en tout cas dans ce que nous on a vu chez nos clients, on puisse dire ok, on a constaté telle et telle différence depuis notre expérience personnelle et du coup va vous montrer, vous le transmettre. Et que vous puissiez un petit peu faire votre avis. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu de console AWS, vous avez la console AWS, le service EC2, c'est la création de machines sur AWS. Ensuite, on est capable de choisir typiquement l'image qu'on va installer, donc un Windows, un Linux, ce que vous voulez. Petite différence, alors que je n'ai pas vu chez Azure et GCP, il n'y a pas de macOS autre que chez AWS, exactement. Donc si par exemple vous occupez de build iOS et vous vous dites on a besoin de VM Mac, pour l'instant AWS c'est le seul à la proposer. Mais en principe, on en a parlé très rapidement tout à l'heure, vous allez voir qu'ici que dans le choix de l'image, on a le choix entre le x86 en termes de CPU ou de l'ARM. Donc ça c'est pareil, c'est un service d'AWS qui s'appelle Graviton, qui vous propose des CPU type ARM pour pouvoir faire de la compilation, par exemple sur Android ou d'autres systèmes. Je vais essayer d'être très rapide là-dessus, c'est pas super intéressant. Même principe, on choisit un template de machine. Donc là, je vais rester sur un CPU, 1 GB de RAM. Je vais laisser tout par défaut. On est capable de choisir pas mal de choses en termes de VPC, en termes de stockage, en termes d'instances, de placement, etc. Je vais tout laisser par défaut, le SSH, en espérant que ça passe, le SSH, on n'a pas testé. Et je vais me créer une nouvelle paire de clés
qui s'appelle Devox. Hop. Ok. Et je vais démarrer mon instance. Normalement, cette instance-là, elle va avoir par défaut une IP publique où je vais pouvoir me connecter dessus. Et sur cette IP publique-là, je vais vous montrer un petit peu comment on installerait une application type Pecunic, donc une application Java traditionnelle. Je ne vais pas pousser le bouchon trop loin, mais c'est vraiment uniquement créer une application Java qu'on pourrait avoir comme on aurait chez les clients. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'avancement de l'université, on va pouvoir avoir des choses un petit peu différentes. Et on va passer sur des couches qui, pour moi, m'intéressent plus, parce que l'infrastructure, ça reste de l'infrastructure. Et comme je vous ai dit, on n'a pas forcément de grosses différences à ce niveau-là. Donc mon instance, elle tourne, j'ai mon IP ici, et si je me connecte, hop, on va agrandir beaucoup. Voilà, on va faire SSH pointer de SSH pointer de ma clé publique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, on va la refaire différemment. Hop. Moins i par contre, non? Moins i, c'est ça, c'est pas augmenté, je me disais depuis tout à l'heure. Ma clé c'était Devox. Pen avec mon IP et user. Le user c'est Ubuntu. Oui, je suis sûr, chmod 600, c'est ça, 400, je sais plus. 600. De mon image. C'est ça qui est génial aussi, c'est le mob programming. On a toute une salle de 200 personnes qui nous regardent faire des bêtises. Et on est tous là, mais non, mais il y a n'importe quoi, il fait n'importe quoi. Hop. Ok, et là, ça passe. Du coup, je suis sur ma VM, alors je ne vais pas vous faire l'affront de savoir comment vous mettez une VM. Je vais me faire très rapidement un update de Ubuntu. Je vais installer OpenJDK 8, parce que Pecunic ne fonctionne que sur le 8. Sur le 15 aussi, mais il faudrait faire des manipulations plus longue. Sudo apt install openjdk-8-jdk, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc tout ce que je fais comme manipulation, ça va être soit vous qui êtes responsable de la production qui allez le faire, soit vos équipes de production. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Là c'est vraiment une démo et typiquement on ne va pas forcément avoir des de la sécurité, où là c'est ouvert aux quatre vents, tout le monde peut se connecter si chacun a son adresse IP, évidemment j'ai ma clé publique, mais quand on va aller travailler dans des entreprises, mettre en place du réseau, mettre en place de la sécurité, mettre en place du VPN, des adressages IP réseau, des extensions de data center, des choses comme ça, où on ne va pas ouvrir aux quatre vents la machine sur Internet. Et donc tout ça, sur ces différences-là, AWS, Azure, GCP, ont des implémentations qui sont un petit peu différentes. On en parlait tout à l'heure, quand on va faire un VPC sur GCP, il est mondial. D'accord, Tony vous a dit tout à l'heure, il est mondial. Pourquoi? Parce que quand vous allez sur google.com, quand vous allez sur YouTube ou sur Gmail, vous n'allez pas aller sur google.europe.com ou quoi que ce soit. Vous allez sur google.com et donc il gère ça de manière mondiale. Et ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir des subnets, on va diviser par des subnets par rapport à vos régions. Vous avez une subnet pour l'Europe, une subnet pour Paris, une subnet pour l'Amérique, etc. Et ça va avoir un impact très fort sur l'architecture de votre réseau. Hop. Si on prend mon Pecunic, hop, je vais git clone le repo. Ok. Mon repo est cloné, je vais le compiler. .slash mbnw -d skip test pour être plus rapide. Ça va me télécharger une tétrachie de pom.yaml, etc. Bref, en espérant que ça aille assez rapidement. Et en gros, tout ça, c'est ce que font votre production en disant, quand je vais télécharger, quand je vais installer des choses,
On va faire tout ça. Et moi, j'ai déjà eu le cas plein de fois en disant, je comprends pas, mon développement sur ma machine, ça fonctionne nickel. En développement, ça fonctionne nickel. Et en production, ça ne fonctionne absolument plus du tout. Pourquoi ? Parce que généralement, les machines de production n'ont pas forcément la même version de librairie d'installer. D'accord ? Et on va avoir des différences qui font que ça ne fonctionne absolument pas du tout. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises, demain, enfin aujourd'hui, passent au container, qu'on verra juste après. Parce que vous allez voir que même principe, même si l'offre est belle, c'est-à-dire que ce soit un container sur Azure, AWS ou GCP, ça tourne, on va voir qu'en pratique, en implémentation, ça ne fonctionne pas forcément comme on voudrait. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. Entre-temps, pour économiser du temps, je vais aller ouvrir mon firewalling, d'accord ? Donc là, j'ai ma sécurité, j'ai mes règles de security group, d'accord ? Il n'y a que le port 22 qui est autorisé. Je vais aller autoriser le port 8080, qui est le port de mon application, avec tout le monde. Et vous voyez que tout ça, c'est soit moi qui m'en occupe parce que j'ai la main sur un bout de ma console, soit une équipe d'Ops. D'accord ? On va voir tout à l'heure que quand on va monter sur les couches à plus forte valeur ajoutée, on va avoir des problématiques de sécurité, de réseau, de networking qu'on va déléguer au cloud provider, mais où on va avoir des architectures beaucoup plus complexes à mettre en place. J'espère que ça ne prend pas beaucoup plus de temps. Sinon c'est pas grave, je ne vous montrerai pas la démo. Juste vous mettre démarrer un jar sur une machine, je pense que tout le monde sait le faire. Mais en tout cas, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne sur AWS. Rapidement, avant de donner la main à Olivier, je vais conclure sur le YAS. Ou tu veux le faire peut-être ? Vas-y. Ok. Vas-y. Du coup, nous, ce qu'on constate quand on regarde, je vous rappelle qu'on est tous les trois, on était tous les trois à la base, monsieur nous a quittés chez Capgemini. Il est parti vers de meilleurs horizons, on va dire ça comme ça. Mmh. Et on voit énormément de clients dans notre travail quotidien. Et tous nos clients nous disent, alors c'est vrai, c'est beaucoup moins vrai en ce moment, mais tous nos clients nous disaient à l'époque, le cloud c'est génial. On fait plein de choses sur le cloud et on va créer des infrastructures dans le cloud comme on fait chez nous. Je tairai le nom de cette société, mais il y a une société qui est venue nous voir en disant « Voilà notre schéma de réseau on-prem, voilà notre schéma de sécurité on-prem, on veut faire la même chose sur le cloud. » C'est-à-dire tout est ouvert, pas de VLAN, pas de segmentation, etc. Et ce qu'on leur a dit, c'est « Ne refaites pas du tout la même chose que vous faites on-prem dans votre cloud. » D'accord ? Aujourd'hui, on a un modèle de sécurité, un modèle de networking sur le cloud qui est beaucoup plus poussé. Et là, on a juste effleuré la surface. On lui a dit, faites de la micro-segmentation, faites de l'infrastructure as code, faites des machines qui vont contenir déjà vos patchs, mettez en place de la CI/CD, donc de l'automatisation pour créer vos images qui contiennent vos patchs, etc. etc. On voyait des sociétés aussi qui nous disaient on veut faire du lift and shift, ça veut dire qu'on veut prendre nos applications telles quelles et les mettre sur le cloud. Il faut savoir que ça coûte extrêmement cher. D'accord ? Si vous comparez les coûts d'un cloud qui vous coûte, je sais pas moi, 50 balles la VM par mois à des coûts d'infrastructure on-prem qui sont largement potentiellement rentabilisés, c'est-à-dire que ça fait plus de 3 ans, plus de 5 ans que les machines physiques sont achetées et donc du coup elles sont rentabilisées. Vous allez voir que le cloud va faire augmenter la facture. C'est normal, c'est logique, puisqu'on ne peut pas comparer du legacy, où ça fait 5 ans, 10 ans que ça fonctionne, ça tourne, versus des choses qu'on est en train de changer. Donc on voit que la tendance côté client, en tout cas côté entreprise, ce n'est plus de faire du lift and shift, c'est plus de prendre des applications telles quelles et de les mettre dans du cloud, mais on va passer sur des couches à plus forte valeur ajoutée, comme du container ou du managed services, on va en parler juste après. Et on voit aussi que la tendance, même après le Covid et même après la grosse phase de digitalisation, même si je n'aime pas ce terme-là, des applications,
c'est de dire on va vraiment basculer sur le cloud, mais basculer sur le cloud de manière intelligente. Ça veut dire qu'au lieu de faire une phase de lift and shift et ensuite une phase de réécriture de l'application, de replatforming au niveau du PaaS, on va directement passer au niveau du PaaS parce que ça va être plus rapide, plus scalable, managé, etc., etc. T'as tout dit. Nouveaux outils, nouveaux usages, il faut s'adapter, aux nouveaux produits. Ouais. Et ça a même fini de builder, c'est fou. Et au travers de l'expérience qu'on aura sur le cloudeur, ben, adapter l'architecture qui était initialement on-prem pour utiliser les meilleurs services que vous aurez dans le cloud. C'est ce qu'on va voir en mettant dans les couches applicatives. Juste pour que je sois satisfait, je vais démarrer quand même un petit démo pet clinique et vous montrer. Évidemment, je n'ai pas l'adresse IP. Et vous allez voir que le site web il a été installé et que tout fonctionne. Si je récupère juste l'adresse IP. Voilà, super. Youhou, on a un site web. C'est un site web qui est vraiment ultra basique, il n'y a pas de données, etc., quoi que ce soit. Il faut bien imaginer aussi que quand on déploie ce genre de site web-là, évidemment, on ne met pas tout sur la même machine, on ne met pas tout sur une seule machine. On fait de la réplication, on utilise tous les concepts qu'on a vus en infrastructure as a service, type AZ, type Virtual Set, type je ne sais pas quoi, d'autres, networking, VPC, etc. Et donc on va utiliser, on va avoir des concepts qui sont beaucoup plus avancés que ce qu'on a uniquement en prep. Je te passe le relais ? Tu peux. Pour les containers ? Allez. Okay. Donc si on veut parler un peu container, vous en avez tous forcément entendu parler, le très célèbre Docker qui a rendu ça populaire. C'était pas le premier sur le marché, mais c'est le plus populaire et de très loin. Et c'était le premier vraiment à exploser. Les trois clouders se sont évidemment engouffrés dans la brèche. Côté AWS, on va commencer par lui. Démarrage avec ECS et Fargate. Alors Fargate, justement, on est assez loin de Docker puisqu'on est sur une logique de micro VM. Donc c'est de la micro VM qui démarre très très vite. On est en dessous de la seconde, mais avec vraiment juste les services strictement minimum et nécessaires. Et on est sur une logique assez loin d'un Kubernetes dont on va parler un peu après et que vous avez forcément déjà entendu. Donc on est sur une logique de multi-tenancy, c'est leur solution la plus avancée, mais on est loin de tous les concepts populaires aujourd'hui, notamment de Kubernetes. D'accord ? Ils sont arrivés sur Kube très tard, puisque ça fait à peine 3 ans qu'ils ont ouvert Kube aux US. Et donc avec des fonctionnalités qui sont assez limitées, notamment on a un maximum de 100 nœuds avec 100 nœuds par pool et 10 pools maxi. Donc ça fait un maximum de 1000 nœuds. Je dis assez limité, c'est certainement très largement au-dessus de vos besoins, parce que l'air de rien, 1000 machines, ça commence à faire déjà des gros clusters. Mais par rapport aux autres, et notamment à Google, on va voir qu'ils sont très très en dessous de ce que fait un Google. Par contre, un énorme avantage qu'avait déjà évoqué Tony tout à l'heure, sur la possibilité de faire du shutting down, de machines de l'automatisation du shutting down, c'est quelque chose qu'ils ont implémenté nativement dans EKS, qui est facile à faire et facile à mettre en œuvre. Un retour qu'on a clairement tout le monde quand on va dans le cloud, il y a une promesse qui est « ça ne va pas me coûter cher ». Et le retour, c'est « ah mince, ça me coûte très cher ». En général, c'est les deux premières étapes. Et justement, cette capacité, quand on est dans le cloud, on est en « pay as you go ». Enfin, le modèle de base, c'est du « pay as you go ». Donc vous payez à la consommation, et si vous n'arrêtez pas les machines, bah vous êtes facturé toutes les nuits, tous les week-ends, etc. Et cette capacité-là, que n'ont pas les autres, la capacité à éteindre les clusters, ça a un vrai impact sur votre gestion des coûts, tout simplement. D'accord ? Et après, on retrouve toutes les mécaniques classiques aujourd'hui, j'ai envie de dire, de chiffrement de vos données, de chiffrement du transit avec KMS, en l'occurrence, qui sont intégrés de base. Un point noir, en revanche, un autre point noir, pour celui-là, c'est la capacité à scaler les pools, donc à les faire grossir.
qui est assez compliqué, et c'est pour ça que je disais, on est assez éloigné, le modèle AWS est assez éloigné du modèle Kubernetes classique, on va dire, auquel on a l'habitude, avec le scaling automatique. Et là, le scaling pour aller se brancher sur les métriques, pour pouvoir faire du scaling de machines, et donc venir rajouter des machines quand il y en a besoin et des choses comme ça, ça se fait, mais dans la douleur. Donc c'est pas si simple, et en tout cas c'est beaucoup moins natif que sur un Azure par exemple. Ou Azure au contraire, ils ont cette notion d'intégration, j'ai déjà parlé tout à l'heure, et qu'on retrouve de manière systématique sur l'ensemble de leur outillage, une intégration qui est vraiment là, mise en place et qui marche et qui est efficace. On retrouve la même limitation chez Azure au niveau du nombre de machines. On a une fois de plus 100 nœuds maximum par pool, avec un maximum de 1000 nœuds. Donc on est 10 pools une fois de plus. Et donc une fois de plus, une limitation sur la taille totale. Juste pour placer un peu le contexte, hein, l'avantage de faire des node pools, c'est justement de pouvoir aller mettre des workloads différents. Et donc j'ai un node pool avec du GPU par exemple, parce que je veux miner du Bitcoin. Spoiler alerte, c'est pas la bonne solution, ça coûte cher de le faire sur Azure. Donc j'ai besoin de GPU, donc je fais un node pool dédié pour du GPU. J'ai besoin de TPU, alors pas chez Azure, mais ils ont tous la même logique. J'ai besoin de TPU parce que je veux faire des process TensorFlow, des traitements TensorFlow. Je fais mon node pool dédié TPU, et dans un même cluster, je vais avoir d'un côté mon TPU qui tourne, d'un autre côté mon minage de Bitcoin, pour reprendre mon exemple, et le reste de mon workload qui est sur un troisième node pool. C'est ça l'avantage de faire différents node pools. D'accord. Que dire de plus sur AKS? Une fois de plus, hein, Azure, comme on a la même logique que sur AWS, ils ont commencé avec leur propre implémentation, et notamment avec ACI, avant d'arriver sur Kubernetes et AKS, à peine avant AWS, puis ils sont arrivés eux en 2017. Logique par défaut chez eux, ça a été de faire des clusters qui sont sécurisés par défaut, privés, des clusters privés. Donc on est arrivé sur une chose fermée à la base. Pardon ? Les clusters privés sont arrivés très tard sur AKS. Late. Et tu me contredis devant tout le monde, c'est moche. En tout cas, aujourd'hui, ça y est. Effectivement, c'est arrivé très tard. Là où on a une tendance globale, entre guillemets, sur tous les services, à se rapprocher les uns des autres, typiquement, ce genre de petits détails, avoir des clusters privés Kubernetes, sur GKE, c'était possible, si je ne me dis pas de bêtises, et peut-être que j'ai des bêtises, et sur AKS, ce n'était pas possible à l'époque, il y a plus de 2 ans qu'on enroulait accompagner notre client, et c'est pour ça qu'il a choisi GKE. Je ne te contredirai pas devant tout le monde. Et donc, bon, là, je ne reviens pas sur la notion d'intégration, l'intégration avec Azure DevOps, avec GitLab, etc., qui est plutôt bien faite et qui va, pareil, vous faciliter la vie si vous voulez mettre en place du DevOps et intégrer votre chaîne DevOps avec vos clusters AKS. Toute l'intégration est plutôt bien faite et assez facile et intuitive à utiliser sur un Azure. D'ailleurs, juste sur Azure, si je peux compléter, on ne l'a pas mis dans les slides parce qu'on a un petit peu rechangé les slides par rapport à ce qu'on disait sur d'autres conférences. L'un des gros avantages d'Azure, et entre guillemets le point principal d'Azure, c'est l'Azure Active Directory, entre autres Office 365, Teams, etc. Il n'y a pas de service équivalent côté GCP et côté AWS. On a des services de synchronisation d'un Active Directory vers les cloud providers, mais on n'a pas l'équivalent d'un Azure Active Directory parce que c'est des technologies propriétaires. Et évidemment, Microsoft ne communique pas là-dessus. Le gros avantage d'Azure étant Azure Active Directory, tout est basé, entre guillemets, autour de cette brique-là. Là où on a parlé d'intégration avec GitHub et Azure DevOps, on est capable aussi d'intégrer très fortement, par exemple, la sécurité, donc des modèles RBAC, Role-Based Access Control, au niveau des groupes Azure Active Directory. Et là où sur un cluster Kube, typiquement, traditionnellement, on donne des clés publiques, des clés privées, des tokens, etc. Sur un Azure AKS, on serait capable de dire tel groupe a accès en lecture aux API, tel autre groupe en lecture et écriture, et on peut gérer très 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 finement les droits. Et il me semble, mais je crois que je dis peut-être des bêtises, mais je crois que Azure c'est le seul à proposer ça nativement. Je sais qu'il y a des... Sur AKS, tu gères au travers de l'IAM, tu peux gérer les permissions. Exactement, oui. Mais pas à travers un IAM, pas à travers un Active Directory. Il
Yes. Et donc, je reprends. Pour continuer et finir sur Google, tout à l'heure, Tony vous en a parlé. Google, grosso modo, dès 2003 de mémoire, ils ont commencé à travailler sur les notions de virtualisation, tout ça. Borg, c'est, alors je n'ai pas l'année exacte de quand ils ont commencé à bosser sur Borg, mais c'est à partir de Borg qu'ils ont fait en interne pour leurs besoins internes, qu'ils ont découlé Kubernetes, qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les premiers et de très loin premiers committeurs sur Kubernetes. Et donc forcément, c'est aujourd'hui aussi les plus avancés sur leur fourniture de services GKE, donc de fourniture Kubernetes. Tout à l'heure, on parlait de 100 nodes par pool. Là, on parle de 15 000 nodes. Donc, on est déjà sur une autre échelle. Là encore, c'est beau, ça fait rêver, c'est des gros chiffres. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que vous en avez besoin pour traiter vos workloads? Parce que 15 000 nœuds, ça fait quand même beaucoup. Et vous en avez 1 000 par node pool, ce qui veut dire 150 node pool possibles sur un cluster. Par contre, un énorme avantage, c'est l'intégration native avec les métriques Kube. Donc, tout le scaling va pouvoir se faire de manière native, en fait, dès que vous allez déclarer votre cluster. Le scaling se fait nativement, il n'y a rien de compliqué à mettre en œuvre derrière, il n'y a pas de branchement, je vous en parlais tout à l'heure sur AWS, c'est un peu pénible à brancher. Sur GKE, c'est totalement natif et intuitif. Ils ont rajouté un service, toujours dans la même lignée de Kubernetes. Donc, tout à l'heure, je disais, EKS permet d'éteindre les serveurs à la demande, quand on veut. GKE ne le fait pas. Ne vous permet pas de faire ça et vous avez toujours besoin d'avoir un minimum qui tourne. D'accord ? Donc même si c'était qu'un seul node pool avec une seule machine, il faut quand même que ça tourne et ça vous coûtera quand même 30 balles par mois. Et ici, on veut aller chercher les derniers centimes et faire les dernières économies. On a Cloud Run, alors qui, si je ne dis pas de bêtises, historiquement, c'était plutôt à destination des développeurs. Je ne suis d'ailleurs même pas sûr qu'il soit prod ready. Si ? Je suis pas sûr, mais au début, en tout cas, la version bêta était plutôt orientée dev. Et l'idée, c'est justement de mettre à disposition un accès vers une API Kubernetes. Alors, soit on le branche sur un cluster GKE, soit on le branche nulle part. Et dans ce cas-là, c'est Google qui va gérer entièrement derrière tous les node pools et tout ce qu'il y a besoin, sans qu'on le voit. On lui balance juste des workloads, on lui balance des images Docker, par exemple. On dit, tiens, fais-moi tourner ça, ou on lui balance un YAML et il se débrouille pour faire le boulot après. Et on va le voir tout à l'heure. Et donc là, ça, tant que vous avez votre workload qui tourne dans Cloud Run, vous payez. Et dès que vous l'éteignez, vous arrêtez de payer. Donc vous n'avez plus du tout cette notion de je crée un cluster, puis je déploie des choses dedans. J'ai quelque chose à déployer, je le pousse et ça tourne. Et quand je l'enlève, bah ça arrête, ça ne me coûte plus rien. D'accord ? Donc tout le provisioning du cluster et des choses comme ça, vous n'avez pas du tout à le faire. Et enfin, on parlait d'intégration avec Azure. Azure, c'est plutôt donc côté Azure DevOps et GitHub. L'intégration est un poil moins soignée parce que c'est des partenaires, enfin pas pour CloudBuild, mais pour GitLab.com. Donc là, c'est des partenaires, enfin partenaires, en tout cas sur ce plan-là, ils s'entendent bien. Et donc on peut aller utiliser les ressources Kubernetes en fait et GKE nativement depuis GitLab.com. Et si vous voulez faire tourner votre job de vos pipelines de build dans votre compte Google, bah ça se fait assez facilement depuis GitLab.com. L'intégration est plutôt bien foutue. Je vais compléter un petit peu sur GKE aussi. Vu que Google, c'est l'inventeur de Kubernetes et c'est l'un des contributeurs majeurs, il y a... Là, si vous voulez faire un choix, je donne mon opinion, mais elle n'est peut-être pas partagée. Si vous voulez faire un choix, je pense que GCP, c'est la meilleure solution pour faire tourner du cluster Kube. Pourquoi ? Parce que les dernières nouveautés, les derniers clusters, les derniers ce que vous voulez, seront sur GCP avant tout le monde. On a constaté ça. Et il y a plein de choses à côté qui font qu'on ne retrouve pas du tout les mêmes features ailleurs. Je pense notamment aux Shielded Nodes, par exemple, qui sont des nœuds qui sont sécurisés et on ne peut pas installer n'importe quoi sur les nœuds. Si par exemple on se fait pirater un container qui est mal sécurisé, que par rebond le hacker attaque la machine en dessous et que par rebond, typiquement, tu parles de Bitcoin mining. Je te rappelle qu'il y a deux ans, hein, Tesla, il y a deux ans, il y a trois ans, Tesla s'est fait pirater tous ses clusters Kube parce que c'était pas sécurisé. Donc GKE effectivement a ce shielded node avec un petit module qui s'appelle un TPM, donc je sais plus quoi module. Trust Platform Module. Voilà, Trust Platform Module. En gros, c'est un petit module de sécurité. Et ça, aujourd'hui, on a vu ça que sur GCP. Ouais.
Même principe aussi, ils ont des services annexes qui n'existent pas encore chez les autres. Google étant contributeur open source et leur motto étant de dire on fait de l'open source et ensuite on le met à disposition. On a deux choses. Une, que je vais dire très rapidement, parce que tu vas en parler après, c'est Anto Service Mesh, ou Istio, pour ceux qui connaissent. Le deuxième, c'est Binary Authorization. Typiquement, on peut autoriser ou interdire, surtout interdire, le déploiement de containers qui n'ont pas été signés et tamponnés par Google. Ça veut dire que le même principe, si vous faites fuiter votre clé de connexion à Kubernetes sur un github.com, par exemple, déjà Google va vous prévenir, mais AWS et Azure aussi, mais surtout, vous allez interdire le déploiement de containers qui n'ont pas été signés par votre chaîne de CI/CD, par votre production, etc., ce qui va vous protéger un peu plus que uniquement avoir un cluster open sur Internet. C'est ça. Et donc justement, tu as légèrement spoilé, mais quand on parle de CAS, donc on va nativement s'orienter vers des nouveaux patterns d'architecture. Donc si on parle de containers et qu'on reprend un peu les fondamentaux des containers, on est censé avoir un seul processus qui tourne dedans. Et quand on va assez logiquement se retourner vers des processus légers et non pas un bon gros JBoss, un bon gros WebSphere, mais on va aller vers des choses un peu plus petites et donc on va éclater notre architecture, on va aller faire des modèles en général plutôt microservices ou qui ont cette tendance-là. Et l'explosion des microservices, ça arrive sur ces architectures qu'on voit là, Amazon.com pour le coup, pas le Clouder, mais le site marchand et puis Netflix, c'est leurs architectures eux avec l'ensemble des connexions qui se font entre chacun des microservices. Ça devient un peu compliqué à lire. Je vois qu'il y en a qui froncent les yeux, c'est normal. Il y a beaucoup de microservices et beaucoup qui communiquent entre eux. Et donc, dès qu'on arrive sur ce genre de modèle-là, et même un petit peu avant, ça devient compliqué de gérer tout ça, de gérer les communications. Et c'est là où on va introduire la notion de service mesh. Et c'est là où on va retrouver des avantages au niveau des clouders, des avantages ou pas sur les clouders. Hein. Donc, l'idée des services mesh, ça va justement être de gérer tout ce qui est communication, de pouvoir gérer des droits d'accès, de pouvoir faire du read-write, faire des choses comme ça. Il y a plusieurs talks sur Istio, si vous voulez en savoir plus sur le service mesh, je ne vais pas rentrer là dans le détail, mais donc qui permettent de gérer justement notre flux réseau et nos droits d'accès entre les différents services et donc les microservices qui sont déployés dans mon CAS. Et c'est là où Google arrive avec un énorme avantage. Je viens de citer Istio et leur déclinaison en interne GCP, ils utilisent Anthos Service Mesh. C'est le leader, clairement, aujourd'hui, parmi les services mesh, avec une très très large adoption. Laurent le disait, c'est open source, donc utilisé assez massivement par la communauté et pas seulement en interne chez Google. Ça peut tourner près n'importe où, donc pas uniquement sur les clusters de Google. Mais par contre, ça se déploie dans un cluster Google avec une checkbox ou une option sur votre Terraform, par exemple. Vous lui demandez de déployer un Istio et ça se fait en une ligne, littéralement. Et donc vous avez évidemment à configurer l'Istio, à configurer vos droits d'accès. Ça, c'est votre job. Mais par contre, le déploiement de l'Istio, au lieu d'avoir des milliers, plusieurs centaines de lignes de YAML pour déployer votre Istio dans votre cluster, là, avec GKE, vous pouvez le déployer à l'extérieur du cluster. Donc, ça ne vous coûte pas de charge sur vos node pools. Tout à l'heure, j'ai parlé qu'on faisait des node pools avec des machines. Il n'y a pas de charge sur ces machines-là. C'est de la charge à l'extérieur. Et donc, ça ne vous coûte rien dans le serveur. Ça se déploie en un clic. Azure est un peu en retard sur ce modèle-là, sur les services mesh. Ils n'en ont pas intégré dans AKS. Donc on n'a pas, si on voulait déployer un Istio par exemple sur AKS, il faut se le déployer à la main avec un kubectl apply de mon service mesh Istio par exemple. Par contre, ils en ont un sur leur moteur interne et qui s'appelle Service Fabric Mesh. Je ne l'ai jamais vu tourner, je n'ai jamais vu personne l'utiliser, donc ça va assez vite. On parlait tout à l'heure de wide adoption pour Istio. On est un peu sur le paradigme inverse, on est un peu à l'opposé du spectre avec Azure Service Mesh. Par contre, Microsoft,
On l'a vu hein, depuis quelques années, ils ont fait un virage un petit peu vers l'open sourcing. Et donc, ils essayent de pousser Azure SMI, qui est une spécification en fait, pour les services mesh. Ils voudraient pouvoir avoir une seule spécification et chacun son implémentation derrière. Pour l'instant, ça n'a pas trop pris. Voilà, je ne sais pas quel avenir ça a. Mais ils ont essayé en tout cas et je ne le vois pas trop bouger. Et enfin, AWS, un peu plus en avance qu'Azure sur ce plan-là, puisqu'ils l'ont intégré dans EKS. Historiquement, ils l'avaient intégré dans Fargate ECS et ils l'ont rajouté sur EKS. Ça s'appelle App Mesh. Donc là, c'est pareil, on n'est pas sur les mêmes interfaces qu'un Istio. Il y a une adoption qui est bien, bien moindre. Et exactement comme un Istio ou un TOS Service Mesh, ça tourne à l'extérieur du cluster, donc vous n'avez pas de charge sur votre cluster. Si on le précise, c'est, je vous rappelle, sur Azure, il n'y a pas de service mesh sur AKS. Donc vous allez le faire tourner à l'intérieur de votre cluster. Donc le simple fait de déployer votre Istio ou un autre service mesh, vous allez déjà avoir une facture qui tourne, juste pour pouvoir déployer ça. Et ça ne sert qu'à gérer les communications, globalement. Donc ça vous fait déjà de la charge, que vous n'aurez pas ni chez AWS, ni chez GCP. Petite démo cube ? Ou petite pause ? Ou petite pause. Petite pause, ouais. Est-ce que vous voulez une petite pause ? Ça me semble bien, ouais. Oui, je vois des têtes se couiller. Du coup, il est quelle heure ? 14h22. On fait une petite pause de 10 minutes. Tu as le temps de boire un café, passer aux toilettes, etc. Puis on se retrouve vers 14h30. Fumer une clope. Allez. 32. Ah, de suite. Attends. Si tu veux, on rajoute un slide question avant les démos. Mais pas de soucis, ouais. Aucun problème. Oui, j'ai oublié, mais c'est pas grave. C'est plutôt une application, une VM, que tu vas installer dans un resource group, tu vas dire tu peux faire ton auto-scaling de 1 à 1. Et c'est souvent un, parce qu'en général, c'est souvent les applications finance, monolithiques que tu vas déployer dedans. Ouais, mais concrètement, j'essaie de. Parce que moi, je connais les trois, et du coup, j'ai pas vraiment. C'est le même point, j'ai pas compris pourquoi on parle. L'availability set apporte quelque chose. Moi, je le voyais plus en comprendre quelque chose. Mais je vois que eux, enfin, côté Azure, c'est l'update qui puisse conduire, le fait qu'on puisse dire je veux que mes machines soient éparpillées sur des updates zones en même temps de pause.
10 minutes. Vous avez juste muté les micros ou... Non, même juste poser les micros. Comme ça, vous pouvez les muter et puis les remettre. Sinon, c'est mute. Ouais, c'est ça. Allô ? Avant de me muter, juste demander aux gens d'aller chercher leur badge s'ils n'y vont pas, s'il vous plaît. Ah. Pour ceux qui n'ont pas encore de badge, n'hésitez pas à aller en chercher, l'imprimante est réparée. Si je ne dis pas de bêtises. Alors sur celui-là, merci. Sur les autres, oui. Tout à l'heure, j'ai dit muter. Sur les unités, pareil. Non, bah celui-là, voilà, c'est bon à savoir. J'ai pas vu de stratosphère. Azure, c'est aléatoire, en fait. Ça bah, quand c'est champ, bien écolisé, là où historiquement, quand on regarde, historiquement, AWS, ils ont fait des gaz. Et c'est là-dessus qu'ils sont excellents. Et ils sont montés, ils ont mis en place leur infra et leur archi de manière, pour faire du gaz de manière très, très efficace. Et donc le POP de VM, il est hyper efficace. Il est hyper, hyper rapide. Là où un Azure a plutôt une approche PaaS et SaaS, et un GCP plutôt CAS. Même si et CAS et ML, ML AI. Historiquement, l'approche AWS, ouais, pas de problème. Je suis d'accord, mais en fait, pour le coup, moi, je ne suis pas convaincu des histoires de la VM 17. Azure, il y a l'avantage de dire, bah, je veux déployer mes machines sur des zones dont l'update va se faire, enfin, sur différentes updates, hein, donc, je ne me rappelle plus du terme exact, mais en gros, sur des zones où l'update ne se fera pas dans le même jour, donc juste j'ai une, que ce soit du soft ou du hard, hein, j'ai un niveau de garantie qui est beaucoup plus important qui est apporté par la VM 17, qu'une AZ, ça c'est sûr. Par contre, sur les deux autres, j'ai toujours la même chose, les instances groupes où je peux dire tout simplement, je peux mettre deux AZ dedans, et si ma machine n'arrive pas à la créer ici ou si elle tombe ici, il va la recréer de l'autre côté. Je sais que sur AWS, je peux le créer. Sur GCP, je peux faire la même chose. C'est ce point-là, ton workload, tu ne vas pas l'associer, justement, tu ne vas pas l'associer à une disponibilité globale. Tu vas l'associer, tu vas lui dire je veux qu'il soit déployé dans une ou deux zones. Et donc il va s'assurer à ce que tu aies suffisamment de machines qui tournent. Si tu as demandé d'en avoir cinq, il va s'assurer à ce que tu en aies suffisamment qui tournent quand il y en a une qui tombe. Et je pense que toute cette notion de disponibilité, et qui vient avec les mises à jour, qui vient avec tout ce genre de choses, est supportée nativement par le VM 17 d'Azure. Je vois que j'ai beaucoup plus de flexibilité avec Azure ou par exemple avec AWS ou GCP qu'avec Azure, dans le sens où je peux spécifier, je veux sur telle zone, je veux sur autre zone, alors que sur Azure, ok, avec le VM 17, j'ai 3, 4 et après c'est lui qui se débrouille. Tu peux aussi lui dire je le veux que sur la zone 1 et 2 avec oui, oui, mais dans le sens. J'ai trois types d'objets. Tu me laisses la commune du coup. Pour que... Tu sais si, parce que là on va passer par une. Les gens voulaient nous poser des questions. Ouais. On va essayer de poser des questions, de demander si on pouvait potentiellement allumer le micro. Ouais, normalement, ouais. Il faut demander à la régie si elle peut l'allumer. Ouais, ah, c'est. Non, je pense qu'on en fait, non, il est déjà allumé, mais il n'est pas en mute et c'est la régie qui gère tout en fait. Okay. T'as beau le mettre en mute, ça ne parlera pas. Sinon, au pire, répéter les questions. Sinon, au pire, il faut répéter les questions. Ouais, c'est ça.
quoi ? Non, mais celui-là, c'est le... Non, il y a celui-là, il n'est pas possible. Il a oublié de remuer. C'est toi, c'est toi. C'est toi qui as tout fait, hein. Tu mettrais ça de nouveau. C'est normal que vous ayez plus d'images. Ah ouais, le PC c'est normal. Ah, il s'est mis en son. Vous voulez parler avec celui-là? En fait, on a des micro-casques, ce que je voudrais passer sur une session de questions-réponses. Je veux bien arriver celui-là, pour essayer de... Il est arrivé. Sinon, on répète les questions, juste un peu les questions. Sinon, sinon le mec, il va se lever, il a gueulé. Ça va, tout se passe bien. Ça va et toi? Ça va, c'est bon. On a juste, alors on regarde un petit peu les micros parce qu'on va commencer par une session question-réponse. Rosane, enfin, je sais pas, ce qu'on avait ici, c'est qu'en fait, il faut répéter les questions parce que les micros, c'est plus problème à cause du pass. Bah là, c'est. Je tiendrai. Parce que j'ai demandé au micro main. Ouais, d'accord. Ah, d'accord. Ok, bah, dans ce cas, si c'est juste toi qui tiens, que tu fais pas passer. Et c'est. Ça va, c'est la régie. Derrière, c'est la régie, regarde. Des mute. C'est vrai ou bien fait que lui, quoi. Oui.
c'est bon, on est reparti. Tu parles, vas-y, parle. Allô, allô. Ouais. Ah, cool. Test 1, 2. Vas-y. T'annonce pour les chaud, questions. Tu lances les questions-réponses. Pendant que tout le monde est en train de revenir, on va commencer par une petite question de session. Une petite question de session-réponse. Je sais qu'il y en avait déjà qui étaient venus. Je crois qu'il y a déjà une main qui est levée. Il y a déjà une main levée. Alors, on va écouter les questions, on les répétera ou alors non. Laurent, tu y vas. Vas-y. Alors, moi, j'y vais. Je suis l'animateur. Si vous voulez, vous avez un deuxième micro sur la salle. Pas sûr que ce soit très Covid de. Exactement, pour le Covid, on va éviter de se passer le micro, donc je vais vous tenir le micro à la main et vous allez parler par le micro. Bonjour, merci beaucoup. Moi j'ai une question sur Cloud Run et ses potentielles équivalences sur Azure ou AWS. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer là-dessus ? Il n'y en a pas. Vas-y. Sur AWS, on va retrouver Fargate, parce que finalement Cloud Run. C'est le fait d'exécuter des conteneurs, des conteneurs. Donc on va retrouver Fargate sur AWS et sur Azure, on va retrouver Azure Container. Azure Container Instances, ACI. Ouais, ACI, ouais, c'est ça. Ouais. Et également, on va retrouver le service, plus généralement dans le service ECS que présentait tout à l'heure Olivier sur AWS. On va retrouver deux types de containerisation possibles, enfin il y en a trois avec EKS. Mais sur les deux principaux types, en tout cas, c'est les premiers qui est mis à disposition AWS pour gérer des conteneurs. On va retrouver ECS sur de l'EC2, donc ça veut dire qu'on va faire tourner des conteneurs sur du compute. Et ensuite, on va retrouver Fargate, qui là, on a la possibilité d'exécuter des conteneurs en mode serverless, tout comme Cloud Run, et pour lequel on va pouvoir travailler cette fois-ci plus orienté sur les coûts. Les coûts d'infrastructure, des services, des workloads qu'on fait tourner sur nos applications. Alors par contre, point de détail ou pas, Cloud Run est totalement compatible avec les manifestes Kubernetes. Je suis moins sûr pour les deux autres. C'est un détail Kubernetes. Voilà. Donc si on parle de multi-cloud, de choses comme ça, on est un peu plus agnostique et c'est un peu un des motos de Google aussi. Donc ça permet de passer de l'un à l'autre et de rentrer sur du Cloud Run par exemple. Vous aviez un GKE et vous pouvez shifter assez facilement sur du Cloud Run en gardant les mêmes manifestes en fait. C'est un des avantages. Bon, je crois qu'on a une autre question devant. Je voulais revenir sur les arguments par rapport à l'IAC. Qu'est-ce qui est intéressant d'utiliser entre du YAML, du JSON et du CDK. Chez nous, on a beaucoup de débats par rapport à ça. Je sens qu'est-ce qui est le mieux entre du YAML ou du CDK. Est-ce que finalement, un langage de programmation complet pour faire de l'infrastructure, c'est pas un peu trop risqué de se dire ah, c'est facile, je vais rajouter des ifs là, je vais faire des boucles, et à la fin, on a beaucoup, du code très complexe, on comprend plus rien à l'infra, on peut pas la maintenir. Quel est votre avis là-dessus ? Alors, déjà, YAML et JSON, on fait pas de différence. Passage de l'un à l'autre, c'est juste de la conversion. YAML à lire, moi, ça me pique les yeux. Quand il y a 10 lignes, comme on avait tout à l'heure à l'écran, c'est facile. Quand il y en a 1000, j'y arrive pas. Et c'est là où un CDK, par exemple, ou un Pulumi, viennent nous apporter cette flexibilité, justement, des ifs et choses comme ça. Je viens du monde du dev, donc je n'ai pas forcément le même avis que Tony, mais je trouve ça plus lisible. Mais je te rejoins complètement. Si on commence à faire des choses en imbriquant des boucles, des machins, etc., ça peut vite devenir compliqué et assez tordu à lire et à comprendre. Mais de la même manière, quand tu écris ton Terraform, tu mets tes if enabled, etc., et tu vas pouvoir mettre des if dans ton code de la même manière pour savoir si tu veux exécuter ou pas justement un de tes modules ou des choses comme ça. Et tu vas quand même pouvoir amener cette complexité. Tu n'auras pas la notion de boucle, mais tu vas lui dire pas sur l'ensemble des valeurs de mon tableau. Donc c'est assez similaire, quoi. Pour moi, c'est pas tranché. J'ai une attirance pour le code, historique CDK, quoi. Pour un non-développeur comme moi, à la différence d'Olivier, où moi je préfère éventuellement du CloudFormation ou plutôt du Terraform. Terraform tout simplement parce qu'on peut l'avoir sur tous les cloudeurs, quasiment tous, ou même tous, sont compatibles Terraform. Énormément de solutions sont désormais
compatible également Terraform. Donc on va retrouver même sur du GitHub, ou je crois même GitLab, on a la possibilité directement depuis son Terraform de créer ses propres repos, de créer ses droits. On peut aller, c'est extrêmement large. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'un des langages, je pense, les plus utilisés pour déployer de l'infrastructure, enfin un peu plus. Du coup, en tant que non-développeur, encore une fois, bon, j'ai une petite préférence. Je te rejoins complètement. Enfin, je trouve ça moins agréable à lire, mais c'est hyper pratique et ça fait tout. Bah, je ne le connais pas. Donc, alors, je pense qu'on va arrêter la question parce que même moi, je ne l'ai pas entendu. Crossplane. Où c'est qu'on place Crossplane dans cet univers-là ? Joker pour moi. Je ne le connais pas, donc je le place nulle part. Je ne le place pas. Du coup, je crois qu'il y avait une autre question. Désolé. Juste là. C'est pour le Covid, en fait. Il est touché. C'est pas souci. Oui, tout à l'heure, vous parlez de Terraform pour... Pour la partie IAC multi-cloud, donc on va utiliser Terraform. Bon, je vous souhaitais tout à l'heure d'avoir un petit exemple pour. Vous aviez fait tout à l'heure à la main la création sur AWS, donc j'aurais souhaité avoir en fait un petit exemple. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est plutôt la partie provisionnement et la partie déploiement. Vous l'avez fait aussi également à la main. Qu'est-ce qu'on peut utiliser peut-être Ansible, AWS installé à l'extérieur ou peut-être sur les cloud providers. Alors, est-ce que vous voulez que je réponde ? Je commence et vous complétez. Vas-y, t'es chaud. Alors, je vais revenir sur scène. Je vais faire l'animateur. Qu'on te voit, regarde. Qu'on me voit. sur Terraform, alors, je peux vous montrer du code, mais je pense que je ne vais pas perdre trop de temps à trouver mon code Terraform sur ma machine. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer du multi-cloud, des choses comme ça. Pour la partie, justement, déploiement et infrastructure, alors là, c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce que notre métier avec Tony... Je suis désolé, tu n'es plus l'entreprise. Donc, et Olivier, évidemment. C'est d'accompagner nos clients et d'essayer d'évangéliser un petit peu sur le cloud de manière générale. Avant, on vendait du cloud comme de l'outsourcing, de l'externalisation, des serveurs qui n'étaient pas chez nous, etc. Maintenant, je leur dis, c'est une énorme boîte à outils programmable. Dit comme ça, ça veut tout et rien dire. Ça veut juste dire que tout ce qu'on fait sur le cloud, on peut le faire de manière automatisée et de manière différente. Vous parliez d'Ansible, de Shell, de Puppet, de Salt. Moi, j'aime beaucoup l'approche qu'on fait avec du packer. Donc, on va créer une image à une AMI, Amazon Machine Image, avec non seulement l'OS, plus les patchs, plus les middleware, plus l'application. Pourquoi ? Parce que quand Amazon, AWS, en tout cas, vous vend l'auto-scaling group en mode, vous allez voir, ça s'adapte par rapport à votre charge, etc. Prenons un exemple de site e-commerce. De grandes boîtes françaises, je n'en nomme aucune parce que je n'ai pas de... voilà. Quand vous allez, par exemple, le jeudi matin, à 10h du matin, communiquer le fait que vous ouvriez des places du nouveau concert de Justin Bieber, par exemple, vous allez avoir un afflux de personnes qui vont arriver sur le site. Si votre site n'est pas taillé, n'est pas prévu pour, ce n'est pas en quelques secondes que les machines vont s'autoscaler, démarrer, etc. Si on prend un IT traditionnel en mode cloud, on va avoir donc l'autoscaling group qui va démarrer des machines, je vous ai dit à peu près 30 secondes, plus la machine qui va s'enregistrer auprès d'un Ansible, d'un Shell, d'un Puppet, installer, configurer, hardonner, faire les patchs, etc. Ensuite, on va potentiellement soit utiliser Ansible pour faire un déploiement, soit à la main, soit une CI/CD type GitHub, GitLab, j'en sais rien. Vous avez perdu 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Une personne, si en 10 secondes, vous n'avez pas la réponse du site web, elle va partir ailleurs. L'approche que les clients ont traditionnellement en mode je sais gérer mon IT chez moi avec Ansible c'est génial, on va tout configurer, je vais avoir mes serveurs, des groupes de serveurs, je vais pouvoir installer de l'Apache d'un côté, du machin de l'autre, etc. C'est pas une approche que moi je recommanderais, plutôt l'approche packer, parce que si je vous dis la même chose avec des containers, c'est-à-dire que si vous avez démarré un container sur un cluster, que le container il va démarrer, il va s'enregistrer sur un Ansible, qui va installer tous les paquets dont ils ont besoin, installer l'application, etc., ça va vous sembler juste... Aberrant, exactement. C'est pour ça que toutes les approches qu'on a dans du cloud, infrastructure immutable, auto-scaling, et tout ça, j'en passe, on l'utilise déjà dans le Kubernetes et ça vous paraît normal et logique parce que vous avez été, entre guillemets, éduqué à ça. C'est pour ça que quand on fait du cloud, moi, la réponse que j'ai tendance à dire, c'est pas forcément gérer via Ansible, Chef Puppet, etc. Potentiellement sur des sujets
qui ne nécessite pas d'autoscaling, etc. Oui, il n'y a aucun problème. Moi, je suis plus fan de Packer parce que le même principe, Packer, c'est de l'infrastructure, enfin, c'est de la configuration as code dans du Git qu'on est capable de GitOpsiser, on va dire ça comme ça, pour déployer des opérations, etc. On va même aller plus loin. D'ailleurs, je fais un petit peu de pub. On a écrit tous les trois un white paper avec Microsoft sur tout ce qui était DevSecOps. Et on a parlé de configuration as code, d'infrastructure as code, de security as code, de pipeline as code, et en fait de everything as code. Donc ça veut dire que puisqu'on est dans un paradigme où tout va être stocké as code dans Git et tout piloté ou pilotable par des chaînes de CI/CD qui sont potentiellement séparées entre les ops et les devs, même si on essaie de casser ces silos-là, on va avoir un paradigme qui est complètement différent de l'IT, encore une fois, l'IT traditionnelle, en mode, je vais démarrer des machines, elles vont s'enregistrer auprès dans le Siebel, elles vont être configurées, seuls les ops, ils vont y avoir accès, les devs, on va y avoir accès en production, mais uniquement via la CI/CD et un compte qui est sécurisé. Ce qui est très bien, tout ça, il n'y a pas de souci, sauf qu'on peut faire différemment quand on fait du cloud. J'espère que ça répond à votre question. Si tu as envie de compléter. Ouais, mini complément. Sur un retour d'expérience ou une aventure qu'on a pu avoir récemment avec Laurent sur une grande application que tout le monde utilise dans cette salle. Tout le monde a utilisé aujourd'hui, c'est une certitude. Tu parles de TAC Peut-être. Oui. On a dû gérer d'une la sécurisation et le hardening de nos OS. On a dû industrialiser les déploiements des solutions logicielles. Et si effectivement, comme disait Laurent, lorsqu'on est sur une solution, on a besoin de faire de l'autoscaling, le temps de provisioning de la machine, d'installation des solutions, ça prend extrêmement beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. Et du coup, on va plutôt privilégier le fait de packeriser les machines, peut-être lancer des déploiements de Siebel dans la chaîne de CI/CD pour créer des templates. Et à partir de ces templates, sur lesquels on s'est basé, pourquoi pas, sur Ansible, du Packer et autres solutions, de là, on va pouvoir déployer l'infrastructure à partir de ces images templétisées. Laurent, à ta gauche. Oui. Ah. Question juste là, après je rebondis, et après je crois qu'il y a... Attends, je vais juste repasser le micro pour ton droit de réponse. Très bien, juste l'automatisation, est-ce que... Je sais qu'un outil comme Spinnaker, il peut faire ça, mais c'est un peu lourd. Je sais pas, il y a des outils... Enfin, parce que derrière Spinnaker, il se passe derrière sur Packer. Je sais pas, les outils de CI/CD, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour multi-cloud? Alors, sur les outils de CI/CD en multi-cloud, en retour d'expérience personnelle et puis par rapport à mes collègues aussi, on n'a pas vraiment d'outils. Enfin, moi, je ne préconise pas d'outils, je préconise plutôt des process, parce qu'un outil, ça change. Aujourd'hui, c'est Git ou GitLab ou GitHub. Demain, ça va être potentiellement un nouvel outil. Mais si on a des patterns en disant on fait des builds qui sont répétables, qui sont stockés, sécurisés, déployables par n'importe quel outil que ce soit, en termes de multi-cloud, on va choisir GitLab, GitHub ou autre. Ce qu'on voit aussi chez nos clients, c'est que même si le multi-cloud existe, et c'est un peu la conclusion du talk, donc spoiler alert, dans une heure et demie, vous aurez la conclusion, on est dans un monde déjà multi-cloud. Ça existe déjà. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui est full AWS, et que ça, parce qu'il y a un petit bout de Teams, un petit bout d'Office 365, un petit bout d'Azure Active Directory, et d'autres choses. Donc on est déjà dans un monde multi-cloud. Et dans ce monde-là, ce qu'on constate par contre chez nos clients, c'est pas de dire on va prendre la machine la moins chère sur le cloud provider et on va composer nos services pour être le moins cher ou le plus efficace. Ce qu'on voit, c'est que pour chaque application, une décision se fait pour aller sur un cloud, d'accord ? Mais une fois que cette décision est faite, l'application elle-même, que ce soit le front, le back, elle est sur la même stack cloud. Par contre, pour le déploiement de différentes applications, nous, ce qu'on a vu, c'était du GitHub, du GitLab, et chacun avait son process de différent. L'argo CD. Pardon ? De l'argo CD. De l'argo CD, du concours, du flux CD, etc. Donc, il n'y a pas un outil qui correspond magiquement à Jenkins, on n'a pas parlé de Jenkins, un outil qui correspond magiquement à tout, mais on a vu des équipes qui faisaient du cloud build, par exemple, sur GCP, d'autres équipes de la même entreprise qui faisaient du Jenkins, d'autres entreprises plutôt orientées Ops qui faisaient, je sais pas moi, un concours ou autre. Et on se rend compte qu'il n'y a pas un outil. Et, encore une fois, personnellement, se reposer sur une silver bullet en mode Spinnaker, c'est the truc à utiliser, je vais y arriver. Pour moi, ce n'est pas forcément une opinion.
ce qu'on vous a montré sur le service mesh, les 600 services. Les 600 services, ils ne sont pas tous codés en Java. Ils ne sont pas tous codés en Java 8 et en J2E. Il y a un petit bout en Go, un petit bout en Python, un petit bout en PHP. Et en fait, le motto de AWS, c'est de dire on utilise le service qui convient à ce qu'on veut faire. Ça peut être du Go, ça peut être etc. Et ça va être pareil pour la CI/CD, on va prendre l'outil qui convient à ce qu'on veut faire. Oui, je parle beaucoup quand même. Pas mal. Non, mais enfin, c'est plutôt clair. Enfin, je pense. Tant qu'on arrive à le gérer au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, je suis dans une entreprise de 90 personnes. Si on a 90 outils, ça devient compliqué à gérer. Vous êtes dans une entreprise de 300 000 personnes, avoir 90 outils différents, c'est pas un problème, quoi. Donc, faut juste trouver les outils qu'on arrive à gérer et qui répondent à notre besoin, quoi. Mais il n'y a pas de silver bullet, c'est clair. Je crois qu'il y a une question, justement. Ouais, on... ouais, peut-être encore une question ou deux, ouais, et après. Petite dernière. Ouais. Juste pour le Covid, je vous dis, évitez de prendre le micro. C'est pas que je veux pas vous le donner, c'est juste que Covid, passe une cape. Donne-le, Laurent. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de la résilience. Et du coup, est-ce qu'il existe des outils ou une méthode pour simuler une panne dans une région ou dans une ASI pour pouvoir faire un test d'EDR? Je peux répondre. Allez, va. Fais le singe. Pardon. Et je pense que ça va être la dernière question parce que je vois le temps qui passe et. Pas beaucoup de temps. Pour le cas d'Amazon, uniquement, oui, ça existe. Il y a ce qu'on appelle le Chaos Engineering, qui est la practice pour faire du disaster recovery. Netflix a inventé ce qu'on appelle la Simian Army. C'est 9 outils, dont un outil qui s'appelle le Chaos Monkey, qui détruit des instances en production dans une région. C'est-à-dire qu'il prend cette instance-là, il dit pouf, tu n'existes plus. Ensuite, on a le Chaos Gorilla qui fait disparaître une ASI, qui prend une ASI, qui fait pouf, t'existes plus, t'as plus qu'une seule ASI sur l'Irlande. Et puisque c'est pas assez, on va faire le Chaos Kong qui va faire disparaître complètement une région. Pouf, l'Irlande n'est plus là. Ça existe. Il y a des outils qui existent comme Gremlin aussi sur Cube, qui font disparaître des choses. Dans la Simian Army, il y a le Latency Monkey qui simule de la latence. Il y a le Janitor Monkey, enfin, il y a plein d'outils, c'est super intéressant. Le souci, c'est que quand on va aller dans une entreprise et qu'on veut vendre du Chaos Engineering, du Chaos Monkey, ce qu'on fait aussi nous chez nos clients, c'est que l'application doit être designée pour être résistante aux pannes. Et ce qu'on constate, c'est que dans le legacy ou dans les autres dispo, c'est pas forcément le cas. Donc on va simuler une panne et on va faire quoi derrière? Ça veut dire réécrire l'application, être plus résilient ou autre. On ne sait pas, on va voir avec le client et on va voir ce qu'on peut faire. Mais oui, il y a des outils type Gremlin qui sont de l'open source et du payant, type Chaos Monkey et autres. Et on parlait de Spinnaker tout à l'heure, Spinnaker a intégré le Chaos Monkey dans son outil. Ça veut dire qu'on est capable de faire aussi des déploiements, simuler une panne et voir comment ça se comporte. Je pense que oui, c'est très... Ouais. Clairement. On enchaîne? Ouais, on peut. Allez. Ton mot de passe? Mon mot de passe. Ou ton doigt, le choix. Tout le monde va le voir que je marque mon mot de passe. C'est toi qui es aux commandes pour les démos. Je fais pas confiance à ton. C'est moi qui fais les démos? Ah, zut. Je fais pas confiance à ton Mac. Donc ce qu'on peut regarder, mais si tu veux, je te. Non, il n'y a pas de soucis, t'inquiète. Hop. Si on regarde un peu, on peut faire une petite démo rapido sur un déploiement G-Cloud. G-Cloud, ouais. Alors il faut que j'ouvre le bon truc. Le G-Cloud. Non, dans GCP. Oui, t'inquiète, je m'organise. Oui, c'est juste que les gens vont pas forcément voir. Est-ce que vous voyez bien ou pas? On va dire que oui. Allez, hop. Vous voyez tout bien? C'est bon? Même ceux au fond? Oui, non, oui, ouais, bon, nickel. Ah, il y a un nom. Sur un cloud. Et juste pour toi, je l'ai agrandi. du coup, petite démo. On va sur le Cloud Run. Petite démo, explique ce qu'on veut faire. Bah, justement, mais j'attendais que tu ailles dessus. Donc là, c'est montré justement les capacités du Cloud Run. Donc on a dit que ça nous mangeait bien. Ça mange n'importe quel manifeste cube. Donc on pourra en regarder juste après. Mais. Plus simple encore, pour pousser un peu l'intégration,
On est capable avec G-Cloud d'aller faire un build directement de notre image Docker qu'on a en local. Donc on a codé notre service en Node. On a codé notre service en Node. Excusez-moi. Et G-Cloud est capable. On n'a pas le droit de bouger. On est capable de lui envoyer directement notre Dockerfile et notre code pour qu'il fasse le build et le déploiement. Attendez. Ouais, on va essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas si c'est ça. En régie, il y a quelqu'un. Attends. Au secours. Ouais, c'est bon ? Non, c'est le. Okay. On va jeter par la fenêtre. Ok, on va être capable de pousser un code et lui demander d'aller directement le déployer en live sans même écrire le manifeste cube. Donc ici on lui donne dans la ligne, on voit pas la ligne sur une seule ligne. Alors tu fais pom z alt z alt z, hop, voilà. Donc si on prend la ligne 23 par exemple, je vais pouvoir lui envoyer vers mon cloud build un Dockerfile et il va partir de ce Dockerfile, il va faire tout le travail de build et le déploiement sur le Kubernetes. Donc j'ai pas écrit une ligne de Kubernetes. Tout à l'heure je disais que le YAML ça commence à me faire mal à la tête quand il y a plus de 10 lignes. Là je les écris pas, j'ai juste la définition de mon service cloud build qui est dans mon cloudbuild.yaml où je lui dis quel est le nom du service, où c'est que je tape, quoi. Et c'est tout. Et ensuite, mon Dockerfile qui fait le boulot. Et donc là, j'ai même pas Docker sur ma machine. Je vais faire le build et le déploiement avec une seule ligne de commande. Donc c'est pareil sur ma CI/CD. Tout à l'heure, on parlait de CI/CD. Ça nous permet aussi de ne pas avoir à installer 15 outils, de ne pas avoir à maintenir des runners pour chacun des produits qu'on veut faire. On a tout qui est intégré. Et en une seule ligne, du moment que j'ai mon SDK G-Cloud, je suis capable de faire tourner ça. Si tu veux le lancer. Ouais. Moi, je voulais juste montrer un petit peu le Cloud Build YAML. Yep. Je pense que ça va être intéressé les gens. Donc, on est à peu près tout sur la même. On arrive à peu près à avoir tout sur. Donc, au niveau de l'environnement, donc on a sorti le numéro du build, le numéro du projet, enfin l'ID du projet et le numéro de révision. Donc ça, c'est propre à mon build et à ma cible de déploiement. Mes arguments, ça c'est mes arguments qui vont passer tout simplement à Docker, on les reconnaît pour ceux qui ont l'habitude de faire du Docker, Docker build-t, le nom de mon image, blablabla, et le nom de mon fichier. Donc ça, classique que j'aurais fait si j'avais voulu faire du Docker sur place. Et ensuite, je lui dis juste où c'est que je vais pousser, donc je pousserai dans ce registry-là, d'accord. Comment je vais déployer, donc ça fait un G-Cloud run. Ici, on retrouve tous les arguments de ma ligne de commande G-Cloud. Donc, ceux qui ont déjà utilisé du GCP retrouvent et sont familiers avec ce nom-là. Hein. Et je retrouve juste, je fais un run, je vais déployer mon service, l'image que j'ai déclarée et que j'ai créée juste au-dessus, d'accord, et une plateforme managée. Tout à l'heure, je vous disais, on peut avoir soit des plateformes qu'on a déployées nous-mêmes, qui sont nos GKE, qu'on déploie, qu'on gère nous-mêmes, et Google ne gère que les masters et on s'occupe de gérer tous les node pools. Soit je lui demande une plateforme managée et là il va m'instancier, il va me faire tout ce dont j'ai besoin pour faire le build et le déploiement. D'accord, je lui ai donné aussi la région. D'accord, et donc bon, là, les substitutions, c'est juste pour lui dire quel est le nom de l'image, etc. C'est mes variables, hein, bêtement. Donc voilà, on a quand même une définition YAML qui est assez simpliste où je lui donne deux lignes de commande qui sont les deux lignes que je veux exécuter pour builder, pour déployer, et tout le reste c'est de la variable. Où c'est que je déploie, dans quelle région, quel est le nom, etc. Et voilà, ça, je te laisse. Allez, on va ouvrir un nouveau terminal. Celui-là il fonctionne. Tac, non, pas du tout, je sais même pas ce que je fais. Nous non plus. Hop là, bref. Voilà. Donc, on lance ? Ouais. Non, prends que la ligne, parce que sinon il va te créer, tu vas être en échec. Reviens sur le SH, prends que la ligne, sinon il te crée le registry, il te crée tout. Ok. Et on veut pas la 23 par exemple, ou n'importe laquelle. C'est les trois les mêmes. Hop. Alors ça n'a pas fonctionné. Je sais pourquoi, je connais ma machine. C'est pour ça que je voulais pas l'utiliser. Parce que en fait, j'ai une configuration un peu particulière de Docker.
Du coup, t'expliques ce qui se passe. Mais, bah oui, si tu parles pas. Donc ici, on voit, je viens de lancer la commande, donc gcloud build submit, d'accord. Il me fait un tarball, donc un zip, hein, qui pousse avec tout le répertoire que je lui ai demandé d'envoyer, dont il a besoin pour faire son Docker build. Derrière, donc on voit ici l'emplacement où c'est qu'il va le stocker. Il commence le build. On retrouve des choses dont on a l'habitude. Donc là, il me dit, bon, il a déjà une image Docker. Il va chercher son image Docker. Échec. T'es pas au bon endroit, c'est ça? Essayez comme ça, non plus. L'effet démo. C'est l'effet démo. Reviens dans ta ligne et tu vires le GCP Cloud Build. Là. C'est bien, tout à l'heure, on voulait faire un debug en live. Voilà. C'est ça. Une démo qui se passe bien, c'est nul. Donc, il a fini de pousser, il récupère le code source, d'accord, qui vient d'uploader. On voit le build classique Docker avec toutes les étapes qui déroulent. Si vous avez déjà vu des builds Docker, vous devriez reconnaître différentes choses. Hein. Ma première étape, je tire ma dépendance, etc., etc. Je vous fais pas un cours Docker. J'expose des choses et d'autres. Je build. Et je pousse sur mon... Je pousse vers mon registry, gcr.io, qu'on avait référencé tout à l'heure dans le cloud build YAML. Et dans la foulée, il va me faire le pull pour aller récupérer ça et le déployer sur mon cluster. Alors, c'est pas un cluster GKE, mais c'est mon cluster Kubernetes. Enfin, Cloud Run, pardon. OK, il est dessus. T'as un accès à GKE quelque part ? Bien sûr. Vas-y. Enfin, pas GKE, Cloud Run, du coup. Mm-hmm. Pour l'URL de déploiement. Donc là, on va aller voir le déploiement de notre image. Donc on voit qu'il est en train de déployer. Pas Kubernetes Engine, c'est Cloud Run. Oui. Tous les cas pendant qu'il déploie, on voit qu'en une seule ligne, j'ai poussé mon code, je l'ai buildé, je l'ai stocké dans ma registry. Ça revient sur notre infra immutable et tout ce qu'on veut est immutable. Donc je l'ai poussé dans mon registry et je l'ai déployé. Une seule ligne, full stop. Et donc là, just now, on devrait avoir une IP publique quelque part, normalement. Et c'est celle-là. Et tu vas me dire que ça ne marche pas, c'est ça? Fais donc. C'est quoi? C'est... Hello. Je ne sais plus comment je l'ai exposé. J'ai dû mettre quelque chose. Tu as la permission. Hein? Sur l'exposition. And does not have permission to get... Non, c'est juste que je dois pas avoir... Je dois avoir un contexte dont je ne me souviens plus. Je dois avoir un contexte... Il a fini de déployer? Oui, il a fini de déployer. Merci qu'il a exposé en public. Tu l'exposes en public. Vas-y, descends. Pardon, excuse-moi. Tu fais edit et tu rajoutes le. Hop. Connexion peut-être. Hein. Enable cloud connection. Non, c'est pas là. Il y a toujours un effet démo normalement. Hein. Oui. Il faut ça. C'est marqué là. To deploy a region, c'est ça? To run as a principal and assign. Ah oui. Là, on l'a pas créé. Ah oui. Donc, là, on a juste pas ouvert. Il faudrait qu'on soit en local sur notre serveur pour y accéder. L'appli n'est pas ouverte publiquement. C'est juste pour ça qu'on n'y arrive pas. Enfin, qu'on ne le voit pas. Mais donc, l'idée, c'était de montrer. Il est où ton terminal? Ah, ouais. Il est là. C'est lui? Non, c'est pas lui. C'est ma machine. Vas-y. Ok. Donc ici, on voit, on a fini en succès, si ce n'est qu'on n'a pas ouvert les accès sur notre Cloud Run, les accès publics. Mais donc, en une seule ligne, on a fait tout le déploiement dont on parlait. Il reste 54 minutes. Pas forcément d'intérêt à montrer le déploiement d'un AKS et d'un EKS.
Non, ça serait beaucoup trop long. On va passer, ouais. Peut-être juste rapidement expliquer un petit peu la différence entre un AKS et un EKS au niveau déploiement. Tu prends. AKS, non, je n'aurais pas la. EKS, tu penses à quoi en particulier ? En termes de déploiement. En termes de déploiement, sur un AKS par exemple, on va pouvoir avoir des choses comme du one-liner hein, pour créer un cluster AKS type easy AKS create mon cluster. Ouais. Et on va pouvoir créer aussi une autre container registry et on va pouvoir lier les deux grâce à un service principal qui va nous dire que seules les personnes qui sont authentifiées et autorisées sur la container registry vont pouvoir télécharger les images du cluster AKS. Et sur un EKS, on en a parlé tout à l'heure avec Tony et Olivier, on va se servir d'un outil qui s'appelle EKS-CTL, donc EKS-Cuttle, j'appelle ça comme ça, qui va nous créer absolument tout le cluster EKS, les control planes, donc les masters qui vont gérer le déploiement, le data plane, tous les workers, tous les nœuds qui vont absorber le déploiement, et configurer les permissions, les autorisations. Petite anecdote, on a voulu le faire en Terraform, un EKS en Terraform, c'est juste imbitable, littéralement, parce que les permissions, les rôles, les services, les IAM, etc., c'était, on n'a pas forcément réussi, je ne sais pas si on est mauvais ou c'est compliqué, mais EKS, CTL, EKS, Cuttle, est beaucoup plus performant et beaucoup plus rapide pour créer des clusters EKS. Pour alimenter cette anecdote, même la ligne de commande AWS pour créer les clusters EKS. Alors j'ai essayé AWS, EKS, Create, un truc genre, j'ai plus en tête. Alors on avait créé tout un cluster avec ça, etc. Et qu'on n'arrivait pas à faire marcher, pas dans les dimensions où on voulait. Et le support même d'AWS nous dit non mais arrêtez avec notre ligne de commande et passez sur EKS Cuttle. Parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas gérées au niveau de la CLI ou qui sont trop compliquées à gérer. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur la partie EKS. Le niveau de finition apporté par AWS est largement en retrait par rapport aux deux copains. Hein. Ils sont largement derrière. Ils n'ont pas mis les gaz hein, sur Cube. Ils privilégient pour diverses raisons, mais ouais, ils privilégient clairement leur solution avec Fargate. Et, ouais. Le déploiement d'un cluster GKE est extrêmement simple. Pour le coup, en une petite ligne de commande, on se déploie très facilement un cluster GKE, soit plusieurs pools. Même avec plusieurs pools, c'est extrêmement simple. À la différence effectivement d'AWS, où on va rentrer dans les méandres des problèmes de permission, d'IAM, de rôle. Pour ceux qui ont peut-être ici dans la salle déjà déployé des serveurs EKS ou des clusters EKS, j'imagine que vous abondez en train d'expliquer. Ça fait penser à deux anecdotes quand tu m'as dit ça. Le premier, c'est qu'en termes de différence aussi sur l'interrogation du master sur GKE, GKE a une approche un petit peu différente. Si vous regardez, je vais peut-être vous le montrer, si vous regardez le kubeconfig, donc le fichier de configuration pour aller attaquer des clusters, je vais essayer de vous le montrer rapidement, mais vous allez avoir des grosses différences entre GKE et le reste du monde. Je vais vous montrer le config. Tac, 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 tac. Donc là, on a de la AKS, on a des tokens. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que on va avoir pour AKS et EKS, donc AWS et Azure, on va avoir des notions de clés publiques, clés privées, et tout est dans le kubeconfig. Ça veut dire que les clés publiques, clés privées sont exposées. Sur GKE, ils sont partis du principe de dire on va utiliser le gcloud, d'accord ? Donc ce que vous voyez là, le config, access token, command arc, command pass, gcloud. Et c'est gcloud qui, lui, va aller interroger GCP, récupérer des tokens et autoriser, avec une durée limitée, les interrogations avec kubectl. Ce qui fait que si jamais, et ça m'est déjà arrivé, vous envoyez votre kubeconfig à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre qui n'a pas accès avec les rôles IAM à gcloud et à GCP ne pourra pas avoir accès au cluster. Là aussi, moi, j'envoie juste le temps d'expiration de l'access token. Même, tu n'auras pas accès.
Et du coup, si je t'envoie moi mon kubeconfig avec ma clé publique, clé privée, tu pourras avoir accès à mon cluster en full admin. C'est vrai. Et on repart sur le PowerPoint. Et on repart sur le PowerPoint. Il est où? Il va pas. C'est dans Chrome. Il est sur le pass. Je sais plus, je suis perdu. Là. Le CAS in a nutshell, pour résumer un petit peu ce qu'on a pu se dire autour du CAS, mais on a déjà pas mal étayé dessus. Clairement, c'est une grosse tendance pour tous les clouders. On l'a dit, on l'a répété à AWS, ils n'ont pas misé sur Cube, mais ils ont quand même misé fort sur Fargate et sur ECS. Et clairement, c'est la tendance aujourd'hui. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, et le GitOps et autres, hein, avoir des choses qui sont immuables qu'on déploie. Et on a une opération de choses qu'on déploie, qui sont en l'occurrence des containers. Et on va vers ça, clairement. Le marché des de l'orchestration est très largement dominé par Kubernetes. ECS et Fargate, c'est à la marge. Et EKS encore plus. Mais donc, évidemment, si vous voulez miser fort sur du Kube, il y a un gros atout avec GCP, mais une grosse intégration avec l'AD sur Azure. Donc, les deux à mettre dans la balance. Et quand on déploie des nouvelles architectures, on a besoin de nouveaux outillages. Et donc, on doit venir se coller sur des outils. On a parlé tout à l'heure notamment de Istio. Et cette chose-là, ces outils qu'on va venir greffer par-dessus, peuvent venir justement casser un petit peu la notion qui vient avec Cube. Je construis une fois, je déploie n'importe où, parce qu'on va venir rajouter des add-ons, en gros, hein, les Istio et compagnie, et qui ne sont pas forcément, eux, compatibles partout. Alors Istio, on a dit qu'il tourne virtuellement à peu près n'importe où, mais si vous utilisez un App Mesh sur votre KS, là, il sera juste pas compatible, juste nulle part ailleurs, en fait. Donc c'est à prendre en compte aussi dans votre logique de sélection de votre clouder et de construction de votre architecture, de construction de votre méthode de déploiement et de build sur des CAS. Tout à fait. La plateforme as a service. La plateforme as a service. Petit disclaimer pour ceux qui ne connaissent pas du plateforme as a service. Pour vous expliquer ce que c'est un petit peu compliqué. Pourquoi ? Parce que si je prends un Heroku qui fait papa-maman, la CI/CD, Git, des serveurs, du patch, etc., et quand on Git push, en gros, ça part en production, versus un App Engine qui est aussi du platform as a service ou du Beanstalk qui est du platform as a service, on n'a pas les mêmes comportements. Donc le bas, c'est un petit peu compliqué à définir. Ce qu'on peut retenir, c'est que plus on va monter dans les couches, moins on va avoir de choses à gérer. On commence déjà à le voir au niveau des containers, où le cluster Kubernetes, pour ceux qui en ont installé on-prem, à gérer, à patcher, à faire évoluer, à upgrader, c'est extrêmement compliqué. Sur les cloud providers, c'est du one-liner, on clique bouton, on fait un upgrade. Et on voit que, typiquement, quand on commande un cluster Kube AKS, GKE ou EKS, on ne sait pas forcément quel est l'OS derrière. Sur GCP, c'est un peu plus facile parce qu'il y a des containers OS, des containers OS avec containerd. Mais sur un AKS, par exemple, je sais pas, un Ubuntu modifié, j'en sais rien. Du coup, quand on va s'intéresser au pass, on est vraiment remonté sur les couches. Je vous rappelle que sur le pass, on va consommer un service de type middleware ou runtime. Ça veut dire qu'on va consommer un serveur Apache, un Tomcat, un MySQL, un Postgres, etc. Le gros avantage du PaaS, c'est qu'on ne s'occupe absolument plus de tout ce qui est update, upgrade, réplication, haute dispo, etc. C'est pris en charge par le cloud provider. Si vous regardez un petit peu les prix, vous allez vous dire que ça coûte cher. Par rapport à une VM, effectivement, ça coûte plus cher. Mais il faut mettre ça dans la balance, que le PaaS, tout ce dont on n'a pas à s'occuper, ça libère un petit peu de temps à tout ce qui est personne ops, pour faire d'autres choses, automatiser les déploiements, automatiser patch management, etc. Pour le dire un peu plus crûment, tout ce que vos ops avant s'occupaient on-prem, maintenant c'est le cloud provider qui s'en charge et vos ops, entre guillemets, sont au chômage. Du coup, on a beaucoup d'ops qui commencent à
à évoluer en termes de compétences Python, compétences de code, c'est pour ça qu'on parle de GitOps, de DevOps, etc. Et on va s'occuper moins de dire, bah, dans mon cluster Oracle, qui est sur deux zones actives-passives avec un fiber channel entre les deux, sur des partitions distribuées dans mon SAN, pas forcément ce qu'on va s'occuper. Tu dis juste, c'est plus cher. Là aussi, c'est à mettre en balance ce que vous avez et ce que vous utilisez. Un MySQL managé sur AWS, dans RDS, forcément, ça coûte plus cher que si vous prenez la même VM et que vous installez vous-même MySQL, parce que c'est gratos MySQL, donc ça coûte en général pas très cher quand vous allez installer la VM. Si vous prenez un SQL Server, bah là, vous allez payer à la quantité de données que vous avez mis dessus, au trafic sortant notamment. Pensez-y toujours, quand vous stockez des données, pour les retirer, ça coûte de l'argent. Mais donc là, vous allez payer à l'usage et non plus à la licence. Et une licence SQL Server, c'est pas donné. Donc c'est aussi à mettre dans la balance. Si vous avez déjà vos licences, et vous pouvez bring your own license sur la plupart des clouders. Donc bah, là, vous faites juste un transfert et vous pouvez le faire manager ou pas. Mais par contre, si vous voulez utiliser un SQL Server et que vous n'avez pas la licence, vous voulez juste en ajouter d'autres, vous payez à l'usage. C'est aussi une vraie différence en termes de tarification et qui peut avoir son avantage, clairement. Et si je veux pour mettre ma touche aussi, on a également les équipes opérations. Les équipes opérations, c'est elles qui vont s'occuper que l'application continue à tourner une fois que c'est rendu en production. Si on a installé nous-mêmes un MySQL pour l'avoir vécu, ou en tout cas des applications nous-mêmes, il peut arriver que ça tombe le process s'arrête parce que la JVM a crashé ou que la base de données s'est tout simplement ratée parce que l'espace disque est full. Ça vous est peut-être tous arrivé. Problème de disque. Sur un service pass, finalement, c'est le cloudeur qui va s'en charger pour nous. Donc ça veut dire que c'est des ressources en moins qui vont s'occuper de traiter un incident et plutôt être focus sur l'industrialisation de nos déploiements, sur l'application des bonnes pratiques attendues par l'entreprise ou répondre aux requirements des business pour déployer des applis. L'industrialisation, ça se fait dans la journée, hein. Aller débugger, ça se fait la nuit, un samedi matin à 3h du mat. Il y en a un des deux qui est moins intéressant en général. Si vous êtes amené à faire les deux, faites votre choix, mais il y en a un des deux où vous devriez normalement vous tourner nativement. Quoi. Exactement. Et je compléterai même par le fait que les plateformes as a service aussi vous apportent des notions de backup, de restore, on en a parlé, qui sont automatiques, des auto-growths, donc des grossissements de disques qui sont automatiques et des paradigmes. On parlait tout à l'heure de disaster recovery, donc typiquement tester qu'une plateforme tombe et que l'autre prend le relais. Ça, c'est natif dans le pass. Et là où nous, on a un peu plus de mal au niveau de nos clients à leur faire comprendre que quand on fait du pass, le disaster recovery est inclus dans le pass. Minus, évidemment, si la région disparaît, évidemment, on peut faire du multi-région. Les personnes, des fois, les directeurs de prod me disent « Oui, mais ok, mais c'est sur quelle zone, sur quel data center, comment c'est répliqué, etc. » Je leur dis « On a un SLA, on en revient toujours au SLA, qui est de 99,95 pour les plus efficaces, on va dire. » Et les gens ont du mal à comprendre en fait que ce SLA-là, parce qu'ils ont mis en place de la out-dispo, du disaster recovery, etc., c'est super résistant. 99,95 pour les directeurs de production, pour ceux qui font de la prod, vous allez me dire, moi, mon infrastructure, elle est entre les 5,9, 99,99. Là, on parle vraiment de services SQL qui sont 99,95. Ce qu'on constate, c'est quand on demande quel est le SLA de leur service on-prem, soit ils ne savent pas nous le dire, parce qu'ils sont que pure infrastructure, soit on est autour de 96, 97, 98. 99,95, je crois que c'est 4 heures d'interruption de service par an. C'est ce qui est quand même juste énorme. Du coup, sur AWS, une des plateformes de service, c'est Beanstalk, qui vous permet de déployer des applications de type runtime Java, runtime .NET, site web, etc. Et AWS prend en charge absolument tout ce qui est patch management, réseau, est-ce que c'est un réseau public-privé, update, upgrade, et on va voir, on a juste une petite démo. On va juste choisir la version de Java, par exemple, Java 8, Java 11. On ne va pas se lancer sur les débats Coreto versus Java, etc. Et en gros, on va avoir un Beanstalk qui va nous fournir des métriques de type CloudWatch, donc des alertes, des dashboards. Et on va avoir déjà un premier niveau de dire, OK, c'est rouge, c'est vert, ça fonctionne pas. Et va prendre en compte la scalabilité automatique.
Tout ça, c'est inclus dans le platform as a service, donc ce n'est pas ce que vous avez à faire. Et quand on va déployer notre application, ça va être pris en charge par AWS. Pour faire ça, on va reprendre notre petite application Pet Clinic. Normalement, ça va être assez rapide. Tac, ça, je peux fermer les démos. Ça va nous faire un petit peu de place. Pendant que tu cherches ça, juste, je reviens sur un point dont qu'il a évoqué tout à l'heure, la mise à jour des clusters Kube, qui est faite nativement par votre cloudeur. N'oubliez pas les SLA, justement. Il n'y a pas de SLA sur une mise à jour de cluster Kube. Aucun des trois ne vous garantit que la mise à jour va bien se passer et que derrière, votre applicatif remarchera. Ça ne fait pas partie de leur SLA. Donc, ils vous garantissent que ça va marcher tant que, avec 99,9, grosso modo, tant que le cluster tourne. Si vous le mettez à jour, il peut planter et la mise à jour peut planter. Donc, prenez-le en compte, notamment si vous avez des workloads qui sont stateful sur vos clusters. Ça pourrait crasher, donc assurez-vous d'être capable de le remonter et de récupérer vos données si vous avez des données dessus et des choses comme ça. C'est pas garanti par votre cloudeur. Excusez-moi, pardon. Donc, Beanstalk, je vous ai dit, c'est le plateforme as a service d'AWS. Pour des questions de rapidité et de déploiement, j'ai déjà fini la démo, je vous montrerai le résultat final. Vous voyez que tout est vert, mais pour vous montrer un petit peu, on va créer une application, d'accord, sur Beanstalk. Sur cette application-là, on va lui donner un petit nom, Devox Pet Clinic 2, et on va créer une application. Donc là, l'application est créée, d'accord, mais il n'y a aucun environnement. Pour créer un environnement, on clique sur Create Environment, évidemment. On va choisir la notion de web server, puisque Pet Clinic, c'est un serveur web. Et quand on va sélectionner, il va nous dire créer un environnement. Donc là, pour la démo, je lui ai marqué blue. Et on va dire qu'on va choisir une plateforme managée. On va pouvoir avoir le choix sur la plateforme, .NET Core, .NET sur Windows Server, des images Docker, du Go, du Java, et là on va prendre Java. AWS nous fournit des runtime Java 7, Java 8, et des runtime Coreto 8 et Coreto 11, qui sont en fait un Java managé par AWS. Donc on va prendre du Java 8, 64 bits, et là on a une version de plateforme, mais qui est la version de plateforme AWS, et non pas la version de plateforme type Java. Et ensuite, on va juste uploader le code et on va récupérer le joli bucket S3 qui doit être dans un coin qui a déjà été uploadé. Tac, 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 tac. Ou pas. Non, c'est pas le bon. Du coup, on va le réuploader, mais c'est pas grave. Ça va être très rapide. Tu l'avais là ? Sur Pet Clinic. Hop, dans le dossier target, on a un petit jar qu'on va uploader. Normalement, ça devrait être assez rapide. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il va uploader le jar dans un bucket S3 qui s'appelle devox-petclinic2-source et on va créer l'environnement. Et ce qu'il va faire, en fait, derrière, c'est que il va automatiquement créer ce qu'il faut, donc il va créer l'environnement, il va utiliser donc CloudFormation pour générer une stack et il va démarrer au fur et à mesure des serveurs EC2 avec la bonne version, il va mettre en place le VPC, il va mettre en place les firewalls et autres, ce qui fait que on ne va rien avoir à configurer, voilà, il a créé les security groups, donc les firewalling, un load balancer en frontal pour justement si on a un auto-scaling group qui multiplie le nombre de VM en dessous, qu'on puisse avoir toujours le même résultat. Et comme ça prend un petit peu de temps, je vais switcher sur l'autre environnement. Donc sur l'autre environnement, ici on a Devox Pet Clinic 1 qui avait déjà été déployé. D'accord ? Et vous voyez ici que j'ai déjà un premier niveau de santé qui est ouvert, parce que je l'ai installé. On a des informations de type, ici à minuit 1, c'est passé de rouge à vert. On peut regarder les logs, donc on peut aller récupérer les logs de la machine et de tout ce qui se passe au niveau des load balancers, des firewalls, etc. Regarder les logs, donc on voit effectivement ici qu'on a les logs de l'applicatif, les erreurs de web, les connexions avec Nginx. Donc là, tous les logs de mon pet clinique, ça c'est propre à mon application. Toutes les requêtes, les accès Nginx, donc HTTP 1. etc. Et ça, c'est facilement.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors là pour le coup, j'ai mis un peu de temps à comprendre, par définition, Beanstalk s'attend à ce que l'application tourne sur le port 5000. D'accord ? Ça veut dire que si l'application ne tourne pas sur le port 5000, il faut soit recompiler l'application pour qu'elle écoute sur le port 5000, soit reconfigurer à chaud. Il s'avère que tout est bien fait et on peut rajouter une ligne qui s'appelle port, où je lui précise le port de mon application, donc le port 8080, et je n'ai pas besoin de recompiler l'application, de redéployer, de redémarrer. Tout ça, ça va être fait automatiquement par, par Beanstalk. Et ce qui est intéressant aussi, ce sont les deux propriétés qui sont MySQL URL et Spring Profile Active. Donc Spring Profile Active, pour ceux qui font du Java, c'est pour activer un profil Spring Boot. Et donc là, je lui dis juste que tu utilises le profil MySQL. Et le MySQL URL, c'est l'URL de connexion à MySQL. Et vous voyez qu'il y a une URL de la forme AA1, KUI, etc., etc. Et en fait, ça, c'est directement une URL de type RDS. Et ce qui est intéressant, c'est que cette URL-là, je l'ai créée tout en bas, donc database, et vous voyez que j'ai créé une database qui est associée à ce Beanstalk. D'accord ? Vous voyez qu'il y a différents types de configurations, je ne vais pas passer en revue tout, mais on a le network, les notifications, les emails de notification, la sécurité, on voit qu'il n'y a pas de clé publique, clé privée, ça veut dire que les machines sont complètement protégées, même moi, je n'y ai pas accès. Et on a pas mal de choses, monitoring, alerting, alarme, métriques, tout ce qui est événement d'update, ça veut dire que si une nouvelle version de Java arrive, AWS va me patcher automatiquement mon Beanstalk sans que j'ai rien à faire. Et vous voyez que tout ça, on est dans un paradigme où le métier de l'Ops est grandement changé par rapport à ce qu'on fait on-prem, et qu'on a délégué beaucoup de choses au cloud provider. Si je regarde mon Spring Boot, voilà, c'est mon application, je peux requêter, ça fonctionne, il y a des données. Et ce qui est intéressant pour ceux qui font du DevOps, c'est qu'on est capable aussi de faire des choses comme du blue-green deployment. Ça veut dire qu'on va être capable de non seulement cloner en one-to-one le Beanstalk, donc si je fais clone environment, il va me créer entre guillemets vraiment l'image de la prod, ce qu'on peut appeler une pré-prod. Et une fois que j'ai cloné mon environnement, je peux faire un swap d'environnement. Donc là, je ne pourrais pas parce que je ne l'ai pas cloné, mais je pourrais très bien switcher les URL pour dire mon ancienne URL de prod qui pointait sur la prod, maintenant pointe sur la pré-prod, etc., etc. Ça, ce sont des patterns de type blue-green deployment qui sont applicables directement avec Beanstalk et qui nous permettent d'aller encore plus loin sur l'automatisation globale de tout ce qu'on peut faire sur le cloud. Donc l'avantage du blue-green deployment, ça va permettre également, en cas de dysfonctionnement de la nouvelle version avec les nouvelles features qu'on a déployées en production, s'il y a moins de dysfonctionnement, on peut retourner, switcher rapidement sur l'environnement qui est toujours up, et du coup permettre une situation en retour, un retour en situation nominale beaucoup plus efficace que de relancer toute une usine de déploiement automatisé de notre appli. Exactement. Je vais un petit peu accélérer parce qu'il n'y a pas plus beaucoup de temps. Là, on a vu sur AWS. AWS reste quand même très infrastructure. On a encore des machines type EC2, on a des load balancers, des choses comme ça. Azure, lui, propose, entre autres services, au niveau du web, un app service qui est en fait des web farms, des farms de serveurs web de JS en frontal, et vous pouvez déployer vos applications dans cette chaîne de serveurs. Et App Service, c'est un petit peu le service qu'on voit beaucoup chez nos clients et qui sont beaucoup utilisés. Même principe, il s'est déployé du .NET, .NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP et Python. Et d'ailleurs, le setup global d'Azure va vous permettre d'avoir des App Services qui vous sont dédiés, qui vous sont réservés, ou des App Services qui vous sont partagés, mais qui coûtent évidemment beaucoup moins cher. Quand on est sur du PaaS, on va pas réfléchir en termes de SLA, en termes de disponibilité, en termes de 99-95, etc. On va plutôt réfléchir en termes de quel est le niveau de service, alors ça s'appelle SLA aussi, mais quel est le niveau de service que je vais prendre. Si je prends un basique, par exemple, je sais que j'ai le droit à un déploiement et que j'ai mon seul déploiement possible et que j'ai du trafic. Si je prends du premium, j'ai peut-être par exemple droit à 20 slots,
sur Azure. Et donc j'ai le droit à 20 déploiements ou 20 versions différentes de l'application, ce qui va permettre d'avoir une production et potentiellement de la pré-production, voire des URL de type URL de test pour les démos lors de Scrum Product Owner, Scrum Master, etc. Des environnements de démo pour les bêta-testeurs, etc. Donc on est capable aussi de fournir à un utilisateur autre des URL différentes. Si on va regarder côté Azure, même principe, hein, j'ai déployé déjà sur un app service. Je vais vous montrer très rapidement, je vais juste zoomer parce que vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, on est dans le ressource group d'Evox. Ah oui, une chose qu'on n'a pas dit d'ailleurs, la notion de ressource group n'est propre que à Azure. Ça vient plus tard. Ça vient plus tard. Et bah, tu en parleras parce que tu fais le mal. Oui, faisons ça. Du coup, on a mon app service qui est déployé ici. Tac. Voilà. Même principe. Même principe. On a donc un app service qui tourne avec une URL d'Evox Pet Clinic App Service. Donc on a toujours la même application. On va pouvoir typiquement configurer aussi à chaud comme on fait sur Beanstalk en mettant des mots de passe, des URL, des profils, etc. Et donc ça, c'est la même chose qu'on peut voir sur AWS, mais côté Azure. On a aussi ce qu'on appelle pour le coup là des deployment slots où on va pouvoir créer un nouveau slot, par exemple, qu'on va appeler pré-production, pré-prod. Et on va pouvoir cloner l'environnement d'Evox Pet Clinic. D'accord ? Et grâce à ces nouveaux slots, on va pouvoir faire un swap d'URL, même principe, Blue Green Deployment. J'aurais pas dit face à ça, sinon je peux pas vous montrer autre chose. On est capable de configurer aussi l'application, de mettre du login, du monitoring, de l'alerting, des choses comme ça, de faire de la scalabilité manuelle ou automatique. Si je regarde les settings, on est capable de voir la version de Java, Java 8, Java 11, est-ce que c'est un serveur embedded, est-ce que c'est du Tomcat, de l'Apache, et même principe, tout ça c'est géré par le cloud provider. Et en gros, Azure lui fournit un truc qu'on appelle Always On, qui va nous permettre d'avoir des serveurs qui sont redondés et répliqués. Je voulais vous montrer aussi du code. Dans le code, si je vais vous montrer Git Checkout App Service, on va avoir aussi des facilités pour déployer l'application en termes de code. Donc Olivier disait tout à l'heure que j'étais ancien développeur, Tony est ancien Ops, et Tops. Moi je suis ancien développeur aussi. Désolé Tony. Je vous en veux pas. Bah non, mais tu m'apprends beaucoup de choses sur la production que je ne connaissais pas. Parce que c'est pas moi qui suis réveillé à 2h du matin pour faire des astreintes. Oui, mais ce matin j'ai expliqué une astuce à Olivier pour passer en prod ses applis. Bah explique-la du coup. Non. Non bon. Du coup, en termes de pass, vous voyez que pour le coup sur Azure, on a des plugins Maven qui nous permettent de piloter la création de ressources, la création de ressources group, la configuration de l'app service via des plugins Maven. Et en fait, pour déployer mon application, j'ai juste à faire un .slash MVN, donc MVN, Azure. Azure-webapp de point deploy. Et du coup, le plugin Maven va absolument s'occuper de tout reconfigurer, tout paramétrer, et je n'ai plus rien à faire. Et en gros, ce que je vois sur du pass, que ce soit AWS ou Azure, c'est qu'on va plutôt déporter tout ce qui est déploiement vers, grosso modo, la chaîne de CI/CD. On va opérer vraiment un shift left au niveau du développeur pour que le développeur, en gros, c'est you build it, you run it. Donc si tu t'en occupes, tu le déploies et tu es responsable aussi de ce que tu as déployé. S'il y a une erreur, c'est ton problème, c'est à toi de la corriger. Le dernier, évidemment, on ne peut pas parler de Azure AWS sans parler de GCP. Alors App Engine est depuis 2008 en place sur le cloud provider. Donc ça va faire à peu près 13 ans. En 2008, quand on proposait App Engine à des DSI, à des clients, voire à des développeurs, les développeurs ne voyaient pas l'intérêt.
il y avait très peu de développeurs qui se disaient c'est cool, tout est géré, tout est autoscalé, tout est patché, tout est configuré, je n'ai plus qu'à laver les mains, qu'à lever les mains, et j'ai plus rien à faire. Le principe d'App Engine, c'est que comme GCP c'est Google et que Google met vraiment l'emphase sur la sécurité, on va avoir quelques petits cafouillages en termes de Java. Google s'amuse à réécrire complètement Java pour enlever des bouts de pans de code qui sont où ils savent qu'il y a des problèmes de sécurité. Et donc du coup, on peut avoir des fois des applications qui ne compilent pas, qui ne compilent plus, voire qui ne tournent plus quand on va faire du Java 8. Et du coup, c'est support Go, PHP, Java, Python, Node.js, .NET et Ruby. Il n'y a pas Docker. Pourquoi ? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, on a Cloud Run qui permet de prendre le relais. Et même principe, on va avoir, tac, si je vous montre très rapidement, des plugins Maven, des choses qui nous facilitent la vie pour le déploiement. Donc on a le Maven plugin ici, qui va absolument tout piloter, tout créer, et on a juste à faire un MVN app-engine deploy pour pouvoir déployer l'application. Donc vous voyez que tout ça, c'est pris en compte par le cloud provider, on n'a plus à demander des VM, à gérer des VM, à patcher des VM, à mettre des firewalls, des applications. Tout ça, c'est pris en compte par le cloud provider. Si on résume un petit peu ce qu'on peut voir sur le pass, on voit que plus on monte sur les couches, donc c'est vrai beaucoup pour le pass, moins on a à gérer l'infrastructure. Donc on ne gère plus la plomberie, on ne gère plus le réseau, on ne gère plus la scalabilité, la haute dispo, etc. C'est pris en charge tout seul, c'est géré par le cloud provider, et c'est le cloud provider qui s'en occupe. Même principe, même si ça coûte plus cher, mécaniquement on va réduire l'OPEX, puisque on va, entre guillemets, avoir besoin de moins de personnes pour gérer l'infrastructure, et vous savez que le coût des personnes, c'est généralement le coût le plus élevé au niveau de l'IT. Et on voit que la sécurité, pareil, on opère un shift left sur la sécurité, où on ne va plus gérer la sécurité au niveau des infrastructures, donc imaginez ouverture de firewall, réseau, etc., mais on va gérer la sécurité plutôt dans l'application. Mes principes, sur mon pet clinique, c'est le port 80 qui est ouvert, ça veut dire que tout ce qui se passe dans mon application, c'est par port 80 que ça passe, et c'est transparent pour les firewalls. Ça veut dire que si mon application, là, j'expose une API qui va exposer ma base de données client, la base de données client de mon client, du coup, je vais avoir une grosse suite de données et personne va s'en rendre compte. Le serverless, on a pu parcourir les services IaaS où on déployait des applications qui pouvaient être monolithiques. On a ensuite pu aborder les sujets de microservices. On va découper l'application en conteneurs et chaque conteneur pouvant porter un bout d'une application, tout ou partie. Les services PaaS, et là on arrive au serverless. C'est un nouveau paradigme qui a été largement mis en avant. Le premier, c'est AWS. Je ne peux rien, messieurs. Qui permet de déployer du code applicatif, pas une application, c'est super important, du code applicatif, sans avoir à se soucier de l'infrastructure. Donc on est comme si on était sur du PaaS. Sauf que la fonction serverless, vous n'allez être facturé qu'à sa consommation. C'est-à-dire qu'à chaque appel de vos fonctions serverless, vous serez facturé. Le cas échéant, vous n'êtes pas facturé. C'est le même principe que du Fargate ou sur du Cloud Run sur GCP. C'est exactement pareil. Donc on parle beaucoup d'instances, de services applicatifs. Donc on va retrouver AWS Lambda pour AWS, Cloud Run sur GCP et Azure Function pour Azure. Et il faut également, penser aux bases de données, à la partie back-end, où les cloudeurs proposent également des fonctions de base de données en serverless. Le premier a été GCP avec BigQuery, où vous n'êtes facturé qu'à la consommation du service, que ce soit en lecture ou les requêtes en écriture. On va retrouver Azure SQL Server Serverless. C'est très long, ils ont choisi. Très très long, et ensuite AWS Aurora Serverless,
donc qui est également une base de données type serverless, où vous n'allez être facturé, encore une fois, qu'à la consommation du service. Du même principe, sur Amazon, on va retrouver également S3, où vous allez pouvoir stocker vos fichiers, et vous n'allez être facturé qu'au stockage ou qu'au stockage de la donnée. L'apport du serverless, on va avoir une approche sur le paiement à l'usage, c'est ce qu'on vient de voir juste avant, un scaling automatique de votre infrastructure, donc que vous ayez une personne ou un million, c'est le cloudeur qui s'occupe de gérer votre infrastructure pour vous. Plutôt agréable. Et également, ce qui est disruptif par rapport à du IaaS ou à du CaaS, on va retrouver également un scaling to zero de votre infrastructure. Ça veut dire que s'il n'y a aucune requête ou aucune sollicitation applicative, vous n'aurez aucun service facturé, donc qui vont tourner sur votre infrastructure. Donc, à charge du cloudeur de démarrer très très rapidement vos services, que ce soit de base de données ou la partie applicative, sur les fonctionnalités serverless. Point de détail, hein, par exemple sur Aurora, puisque tu l'as cité, Aurora, il existe en deux modes, soit en serverless, soit en mode pass. Et en mode pass, on va choisir où c'est qu'il se déploie, même si on ne choisit pas tout en dessous au niveau de l'infrastructure, on a au moins le choix de savoir où c'est qu'il se déploie, alors qu'en mode serverless, on ne le choisit absolument pas. Ce qui a des impacts directs sur notamment la communication réseau. Et si on a des réseaux qui sont très fermés, ça peut être compliqué avec de l'Aurora serverless, alors que ça ne l'est pas avec de l'Aurora pass. Et on n'aura pas forcément exactement les mêmes fonctionnalités et les mêmes capacités de scaling des deux côtés. Donc il faut rentrer dans le détail un petit peu, mais les deux offrent pas rigoureusement la même offre selon le mode qu'on choisit. Alors là, on va sortir un peu des services, en tout cas on va aller un peu plus loin dans la modernisation des services. Donc on a pu... typiquement, les fonctionnalités serverless sont très souvent appelées au travers d'API. Et ici, on va pousser un petit peu le modèle en parlant un peu de GraphQL ou d'ordinaire, pour concevoir une API. On va penser à tous les verbes qu'on va pouvoir consommer et tous les endpoints qu'on va exposer, que ce soit en privé ou sur le public, pour pouvoir consommer nos applications ou nos data. Donc, typiquement, l'API va créer toutes les entrées CRUD pour écrire, lire, mettre à jour, éventuellement supprimer la data. GraphQL apporte une autre approche où finalement on va exposer un endpoint qui va permettre d'accéder en fonction de l'application cliente à une partie de la donnée. Donc, par exemple, si on est sur une application... GraphQL a été inventé par Facebook et déposé dans la communauté publique en 2015. Initialement, ça a été déployé pour permettre aux applications mobiles de consommer moins de données et pour une même application qui peut être de type web et sur laquelle on n'est pas limité en bande passante, de pouvoir consommer un peu plus de données. Tout dépend de la source cliente qui vient consommer cette donnée. Donc, l'avantage du GraphQL, on peut avoir une approche Green IT. Donc, typiquement, on va uniquement consommer ce dont nous avons besoin pour un use case donné. Donc, soit sur les applications mobiles pour limiter la bande passante et consommer uniquement les données attendues. Ça, c'est. Donc, dans les cloudeurs qui proposent ce type de service GraphQL, seul AWS au travers. Seul AWS propose ce type de service au travers d'Amplify et d'AppSync. Donc, c'est deux services proposés par AWS pour exposer du GraphQL. GCP et Azure ne proposent pas ce type de service. On va retrouver toutefois des solutions open source que vous connaissez peut-être, type Azura ou Apollo. Donc, ça fera partie d'une démo si on a le temps. Je pense qu'on va être ric-rac sur la démo là. Je pense, oui. Donc pour vous exposer, pour ceux qui ne connaissent pas le GraphQL, sur la droite, on va retrouver des appels d'API. Dans les appels d'API, on va appeler. Désolé, j'ai pas tout.
pas tout. Donc, on suppose qu'on est sur une application mobile où on souhaite accéder aux données. En l'occurrence, ici, on veut lister les speakers d'un salon qui s'appelle DevOps et pour lequel on va avoir la liste des topics qui sont pitchés par les speakers. Donc, pour accéder à une donnée, donc, qui pitch et sur quel sujet il a participé au talk, on va réaliser deux types de requêtes. À la différence du GraphQL, où en une seule requête, on va pouvoir concaténer la demande en listant uniquement les données qui nous intéressent. Les données qui nous intéressent. On va requêter spécifiquement. Les données qui nous intéressent, donc en l'occurrence le nom, le prénom et le sujet qui a été pitché. Donc là, on voit bien que de façon très simple, on va pouvoir requêter la donnée. AWS Amplify et AppSync. AWS s'est posé la question, mais comment je vais faire pour encore faciliter l'adoption de mes services pour, auprès des développeurs et pour limiter les étapes de développement. Du coup, ils ont sorti un framework qui s'appelle Amplify, qui a l'avantage de fournir tout un framework où dedans vous allez pouvoir créer vos applications front-end, rajouter des back-ends, que ce soit des back-ends GraphQL, vous souhaitez rajouter une solution d'authentification en une ligne de commande, on va le voir tout à l'heure très rapidement, une ligne de commande, vous rajoutez automatiquement un Cognito ou autre sur votre solution, tout en mettant en place des notifications, de l'alerting. On peut même pousser le modèle Amplify en rajoutant également de l'analytics, si on souhaite rajouter du pinpoint, qui permet de faire des échanges entre des applications mobiles et votre plateforme AWS. Là, ça permet de gérer des stats, des appels téléphoniques. On peut faire plein de use cases avec Pinpoint. Et également, propose de façon intégrée de rajouter votre chaîne de CI/CD au travers de Amplify. Donc là, on voit très simplement qu'en un modèle, au travers de ce framework, on peut tout faire depuis le poste du développeur. Okay, moi, il manque. Faut de l'eau. Pour réaliser ces déploiements, je te remercie. Pour réaliser ces déploiements, ce que va faire AWS, il va se baser sur sa solution de déploiement continu préférée, qui est CloudFormation ou CDK. Donc, pour reprendre l'histoire de précédemment avec GraphQL, on va pouvoir coupler donc Amplify, donc la partie front-end, avec une solution de base de données, à tout hasard DynamoDB, qui est la solution la plus simple et à mettre en œuvre pour AWS, couplé avec de l'AppSync pour la partie GraphQL. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir consommer depuis une application cliente uniquement les données qui nous intéressent. Minutes. C'est mort. À la différence de mes collègues d'Olivier et Laurent, on ne va pas réaliser de déploiement en live, c'est beaucoup trop long, je le dis tout de suite. Il nous faudrait une bonne demi-heure, voire une heure pour déployer juste une stack comme celle-ci, dont d'installer tout le framework Amplify. Quoi qu'il en soit, AWS a tout centralisé. Une fois que c'est fait et que vous avez déployé la solution dans votre repo et que vous avez plugué la chaîne de CI/CD Amplify sur la solution, sur votre repository, le déploiement se passe après en 10 minutes à peu près, déploiement automatisé. Donc ici, dans l'exemple que je montre juste après, donc on a déployé un front-end en React, une base de données, une authentification pardon, Cognito, un endpoint GraphQL, le GraphQL étant connecté à notre base de données NoSQL DynamoDB. Donc, tout simplement, le séquencement pour déployer Amplify et AppSync, on va juste devoir installer nos librairies Amplify sur le poste du développeur, initier
tout simplement son application React pour pouvoir déployer le front-end, réaliser les premiers développements. Et ensuite, on va configurer la partie Amplify Init pour donner finalement notre modèle de configuration, c'est-à-dire qu'on va travailler sur du visual, qu'on va travailler sur du JavaScript pour la partie back-end, qu'on va pouvoir utiliser une stack root formation pour réaliser nos déploiements. Et ensuite, on va également indiquer si on souhaite mettre en place ou pas un déploiement manuel ou automatisé. Et à partir du moment où on va choisir cette fonctionnalité de déploiement automatisé, on va pouvoir le plugger directement notre solution de repo type GitHub, GitLab, Bitbucket automatiquement à la solution. La quatrième étape, on va rajouter un endpoint GraphQL. Donc, à partir du moment où on va choisir ce endpoint GraphQL, automatiquement, Amplify, en tout cas au travers du framework Amplify, on va aller créer la base de données avec un modèle de schéma, en l'occurrence ici, il s'appelle ToDo, un modèle de schéma automatiquement dans GraphQL, et qui est lié ensuite, ce modèle de schéma est lui également installé dans l'application React, ou en tout cas on va le configurer, pour qu'on puisse venir consulter la donnée, lecture, écriture, suppression et update, au travers d'un endpoint unique. La partie rajouter authentification, ce que je précisais tout à l'heure, c'est juste en une ligne de commande, on va faire un Amplify add auth, et automatiquement, Amplify va générer le template CodeFormation qui va bien pour pouvoir déployer la stack automatiquement à votre place. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'écrire les milliers de lignes de code que vous pouvez mentionner Olivier tout à l'heure sur une autre solution. Là, Amplify prend à sa charge la génération de ce code et le déploiement. Ça, c'est plutôt agréable. Ensuite, une fois qu'on a réussi à déployer donc, notre base de données, notre authentification, le front-end, ben, on va déployer tout simplement le back-end. On va faire un Amplify Add Hosting qui va déployer notre back-end en serverless sur Amplify. Et ensuite, on va tout simplement le publier. À partir du moment où on l'a publié, l'application... Non, on ne va pas le monter. Une fois qu'on l'a publié, comment se structure le répertoire avec toutes ces lignes de commandes qu'on a pu passer précédemment? On va tout simplement avoir une arborescence applicative qui va être dans SRC. On va retrouver la structure de notre application avec un répertoire qui va contenir tous les types de requêtes, tous les types de queries qu'on va pouvoir faire au travers de GraphQL. Les queries dans le langage GraphQL, c'est des select étoiles, en tout cas toutes les requêtes de lecture qu'on va faire sur notre base de données. Les mutations vont être les requêtes de mise à jour de la base de données, que ce soit en écriture, en update ou en suppression. Et le schéma, donc ça va être le schéma qu'on a imaginé tout à l'heure dans l'exemple de ToDo, où on va pouvoir décrire quels sont les champs qui est possible de requêter par l'application, et du coup, pouvoir optimiser, in fine, optimiser les requêtes que l'on fait à la base de données. Et ensuite, dans l'arborescence Amplify, que je précise sur le slide, on va retrouver toute la configuration de la stack technique Amplify, que ce soit les templates CloudFormation, la configuration de notre projet au travers du projet config, qui va retrouver tous les ID configurations, que ce soit sur de AppSync, AppSync Cognito dans notre use case et Amplify. Et à chaque fois que vous allez rajouter un nouveau backend, automatiquement une arborescence se rajoute avec son template de déploiement CloudFormation. Il nous reste 5 minutes. On choisit de faire quoi? La conclusion. La conclusion de serverless et la conclusion de... Ouais. Je vais quand même montrer la partie GraphQL sur GCP, même si on ne va pas faire le déploiement ici. Allez, très, très vite. Non, je ne peux pas me l'empêcher. Le déploiement, à la différence d'un AppSync sur AWS, où Sunrise a pris une demi-heure facilement,
ici déployer ce serveur Apollo sur GCP a pris maximum 3 minutes. 3 minutes pour déployer l'équivalent moqué, mais en tout cas l'équivalent en termes de fonctionnalité. Mais tu n'as pas tout ce qu'apporte un Amplify, type CI/CD, hosting, CDN, Cognito, etc. etc. Merci, tu as raison. C'est limité, en tout cas, effectivement, dans l'exemple. Je n'ai pas déployé de front-end, on est bien d'accord. Uniquement ici, sur la partie, sur la partie back-end. Le serverless, en conclusion, vous allez payer uniquement ce que vous utilisez. C'est plutôt une bonne nouvelle. Vous n'avez plus rien à manager ou à provisionner ou à monitorer en termes d'infrastructure. C'est le cloneur qui va le faire pour vous. Ah, il y a encore un paquet. Je descends. Est-ce que vous avez encore deux heures? Parce qu'on a plein de choses à vous montrer. On n'est pas à la moitié de la presse. C'est toute la difficulté. Non, mais là, c'est que effectivement, il y a énormément de choses à dire. On ne va pas forcément aller sur la fin. Il y avait des choses sur le cloud hybride. Il y avait des choses sur le login, le monitoring, etc. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps. Il nous reste 3 minutes pour conclure. En tout cas, ce qu'on a vu à partir de la présentation, c'est que plus on monte sur les couches, plus les gens se rendent compte que les cloud providers se chargent de mettre en place de l'infrastructure, de mettre en place de la CI/CD, etc. et compagnie. Mais aussi, plus on monte sur les couches hautes, plus on a de différences du coup, entre les différents cloud providers. On est parti de la VM, du réseau, où on n'est pas forcément grand-chose à vous dire comme différence, à du Amplify qui n'existe que sur AWS, de la PG par exemple qui sera que sur du GCP et autre chose. Et on voit que plus aussi on va monter sur les couches à forte valeur ajoutée et plus on va être entre guillemets pied et poing lié avec le clouder, mais on va être aussi beaucoup plus agile et beaucoup plus rapide dans ce qu'on veut mettre en place et donc créer des applications qui réduisent le fameux time to market que tout le monde cherche à réduire. On va passer de déploiements en plusieurs jours, plusieurs mois, à des déploiements peut-être plusieurs fois par jour. Il nous reste 2 minutes pour prendre une ou deux questions. Ah, une question alors. Alors juste, dis-la nous et puis on va la répéter. Alors, on va répéter la question. Donc, en gros, on vous a montré un petit peu que chacun des services existait chez chacun des clouders. La question, c'est est-ce qu'il y a un clouder qui se dégage sur un service en particulier? Est-ce que, par exemple, il y a un clouder qui fait plus de pass, un clouder qui fait plus de data, etc. etc. Je vous laisse répondre. Bon, j'ai une réponse assez... Enfin, le trait est un peu grossier, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais globalement... Google, par son métier, tout ce qui est data, machine learning, c'était son historique, et Kubernetes. Donc on doit faire du CAS, de la data, du machine learning, de l'IA. Google, ils sont très largement devant. Quand on veut faire du IaaS, c'est aussi un peu l'historique et la mode de fonctionnement AWS par rapport à leurs besoins. Et on l'a vu tout à l'heure, la ségrégation, les VNet par région, etc. C'est historique AWS, donc ils sont très forts sur le IaaS. Également l'IoT, où ils ont beaucoup de services autour de l'IoT. Ouais. C'est mon avis. Et le PaaS, c'est le côté intégré en fait, finalement, des solutions. Et c'est là où Azure, l'intégration, ils sont très très bons. Ouais. Donc globalement, voilà, je dirais ça, mais c'est schématique. Hein, mais ce serait à peu près. C'est en tout cas ce qu'on constate chez nos clients. En fait. On a une question là au fond, à gauche, depuis tout à l'heure. Ouais. Alors la question c'est autour de Green IT, est-ce qu'on a un clouder qui propose plus d'outillage pour monitorer, gouverner Oui, c'est bon, on a dépassé, comment on fait pour arrêter? Attends, j'ai plus beaucoup. Là, global, vas-y finis. Bon bref, il y a un petit truc qui sonne. Donc en gros, quel est le cloud provider qui propose des outils pour monitorer le Green IT? Alors moi je n'ai pas la réponse. Aucun, je dirais. Je sais que GCP
met en place son bilan carbone au niveau des data centers. Donc on peut choisir des data centers avec bilan carbone neutre ou négatif. À part ça... À part ça, je ne connais pas non plus. Google sont les plus avancés là-dessus. Google sont les plus avancés là-dessus et ça fait des années qu'ils ont tous leurs data centers qui sont neutres, voire en négatif. Azure est juste derrière et AWS est clairement loin derrière en affichant une neutralité carbone en 2030 ou un truc du genre, ils sont, ou 2025, mais ils sont loin derrière. Je crois qu'ils ont affiché récemment l'alimentation via des champs de panneaux solaires. J'ai cru voir passer. Mais oui, ils sont à des années-lumière, ouais, effectivement. Ils sont loin derrière. Mais ouais. C'est ça. Son empreinte à soi, elle n'est pas calculable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.